Sophia, s'il te plaît, calme-toi. Je t'en prie, calme-toi. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas vous calmer. Maman, nous sommes vraiment foutus. Si ces gars nous trouvent, nous sommes mortes. Qui t'a dit qu'ils allaient nous retrouver? C'est quoi ton problème? C'est même quoi ça? Essayez de vous calmer. Maman, on a le moyen de partir d'ici. Est-ce que... On doit vraiment Est-ce que tu peux la fermer? Laisse-moi réfléchir. Calmez-vous, attendons qu'ils s'éloignent. Je les ai vus passer là-devant. Tu parles trop fort. C'est vous qui ne voulez pas me laisser réfléchir. Laissez-moi analyser la situation. C'est quoi ça? Nous avons compris, nous avons compris. On a compris, on a cavale. Que veux-tu qu'on fasse? Tu vas te taire, tu vas te taire, tu ne fais qu'embrouiller mes pensées. C'est quoi ton problème, Angel? Vous savez, en fait, aujourd'hui, nous allons tous nous amuser. Vous comprenez? On va boire et manger parce que je suis de très bonne humeur. Comment ne pas l'être? Comment ne seriez-vous pas de bonne humeur? Igwe, pourquoi ne le serez-vous pas? Bientôt vous aurez une nouvelle femme. Ande, eba sina juru ka jena kpo. Ande, eba sina jera kpo. Et que tu m'as cerné? Tu m'as vraiment cerné. Mais tu sais, c'est bien que tu saches que je souffre depuis. Mm-hmm. Et je souffre en silence. Cependant, si ce n'est à cause d'une chose, je ne pense pas que je serai remarié. Je suis sérieux. Igwe, vous devez vous marier. Avez-vous oublié ce que les dieux ont dit? Que vous devez avoir une femme avant le prochain festival. Bam! Hein? Donc vous n'avez pas de choix. Ça c'est vrai. Ah, vous n'avez raison, pas de choix. Hey. Oh, ouais. Qu'est-ce que je fais là? Ojemba. 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 Je vous ai déjà à la table. Tu es là enfin. Ojemba. Kuala. Ojemba. Kuala de mon nom. Ojemba. Nous attendions que tu reviennes pour que tu nous fasses le compte rendu de ta visite au Moimba. Oui, je le sais, Igwe. Hein? Mais je suis là maintenant. Hein? Vous savez, ce voyage a été très long. Oui. Quand je suis rentré dans la pièce, je vous ai trouvé en train de faire quelque chose. Igwe, laissez-moi prendre ma part, que je me réjouisse comme vous. Oh, Jemba. Ah, Jemba. Oh, Jemba. Oh, mon Dieu. Maman, tu vois ce que tu as causé, n'est-ce pas? Tu vois ce que tu as causé? Tu nous as mis dans les problèmes. Et si ces gars nous trouvent vivants, nous tuer, toi-même, tu le sais. Angel, calme-toi. Il est temps pour nous de retourner au village. Au village? Comment ça, maman? Ce n'est pas toi qui nous as dit que nous avons été bannis? Comment peut-on retourner au village? Sophia, le temps de notre exil a expiré. Donc maintenant, nous sommes libres de retourner au village. N'importe où, aller où bon nous sommes. D'accord, maman. Et comment allons-nous survivre au village? Comment? On n'a pas d'argent, on n'a pas de business. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi es-tu si pessimiste? Hein? Ah. Tu es la fille de ta mère. Et ta mère va prendre les devants. Alors suis juste mes pas. Je n'ai peur de rien. Par tous les moyens, on va survivre. Il n'y a pas à avoir peur. Ne craignez rien. Comment allons-nous survivre? Voilà. Donc, comment ça s'est passé, Igwe? Oui. Et j'ai déjà préparé tout le nécessaire. Donc, la balle est désormais dans votre camp. Donc, dès que vous êtes prêts, dites-le nous. Nous aurons payé sa dette pour vous. Je suis vraiment très content pour vous, je vous assure. Ah. Ancien, ne pensez-vous pas qu'elle est vieille pour moi? Vous voyez, je ne veux pas épouser une vieille femme en seconde noce. Igwe, vous avez besoin d'une femme mûre qui pourra prendre soin de vous, de vos enfants, et même de vos activités au palais. Ou alors, vous voulez une petite fille? Ichina, laisse-moi tout ça. Ou alors, tu veux une petite fille? Vous pensez que je ne sais pas que vous, ces vieillards, vous pavanez dans ce royaume avec toutes ces filles qui ont de petits seins? Donc, vous l'avez remarqué? Igwe. 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 Non, Igwe. Voulez-vous dire qu'on doit vous trouver une jeune fille pour épouse? Oui. Hey. Trouvez-moi une petite fille. Hein? Une petite fille qui
a encore une jeune poitrine bien ferme. Ah oh, voilà. cette petite fille qui va prendre soin de moi. Ciao. Et pas cette vieille peau. Elle est trop vieille, je ne peux pas l'épouser. Igwe. Dans ce cas, débâcle. Nous allons trouver une jeune fille que vous allez épouser. Mm-hmm. Oui. Igwe, vous aurez dû m'en parler plutôt. Si votre fils, le prince, n'était pas amoureux de ma fille, je vous aurais conseillé de l'épouser. Uno. Ne dis plus jamais ça. Hein? Pico. Je n'ai pas la force pour chercher des noix sans du quoi. Oh. Pardon, ne dis plus une chose pareille. Mais vous l'écoutez? Il va me tuer. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh, Igwe. Nous vous faisons confiance. Je salive, je salive. Ça me donne de l'eau à la bouche. Hey! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bébé, c'est toi! Tu m'as manqué! Tu m'as manqué, toi aussi! Oh mon Dieu! Wow! Bienvenue, mon prince! Dis-moi, Marama, comment vas-tu? Je vais bien! Allez, viens! Oh mon Dieu! Bébé! Tu ne m'as même pas dit que tu venais. Tu ne m'as même pas appelé. Ne commence pas. Je voulais te faire une surprise. Je ne suis même pas arrivée au palais. Je suis d'abord venue directement ici. Si à ce point que tu m'aimes. N'importe quoi. Où est maman? Elle n'est pas là. C'est pas vrai. Oh elle est allée où? Dieu, ah, je suis tellement elle contente. Est juste... Elle est sortie. Ah. En tout cas, venez, je vous ai apporté quelques cadeaux. Allons-y. Quoi? Montre-moi bébé, ce que tu m'as gardé. Je t'ai appelé. Oui. Maman. Comme tu peux le voir, ils sont partis. Pouvons-nous nous en aller? Il se fait trop tard pour que nous puissions aller au village aujourd'hui. Nous irons là-bas demain à la première heure. Maman, es-tu par hasard en train de suggérer qu'on dorme ici? Ne parle même pas. Je veux dire, ne discute même pas. Qui va dormir ici? Si tu dors ici, c'est bien. Mais moi, Sophia, dormir dans cet endroit, jamais. Je ne le ferai pas. Pas de problème. Je ne peux pas non plus dormir ici. Donc, vous deux, vous n'avez pas un peu d'argent pour qu'on puisse dormir à l'hôtel? Hein? Au moins, dormir là jusqu'à demain matin et ensuite on ira au village. Maman, je n'ai même pas un radis. Je n'ai pas. Moi, je n'ai pas. Je n'ai absolument rien. Laissez-moi appeler mon amie Rose et voir si elle peut m'héberger pendant quelques temps. Parce qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention de retourner au village avec vous. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que cela veut dire? Maman, je ne retourne pas au village. Sophie et toi, vous n'avez qu'à le faire. Vous devez y avoir honte de vous-même. Regardez tout ce qui est ici et là. Et toi, regarde-toi, tu as un beau corps ferme. Tu es belle comme une star. Et avec tout ça, vous n'arrivez pas à trouver un homme qui pourra vous loger dans un hôtel. Vous êtes seulement là. Maman, vous ne pouvez pas vous servir de tout ce que vous avez. Vous ne pouvez pas profiter de tout ça pour nous trouver une chambre à l'hôtel. Maman, s'il te plaît, arrête ça. Pourquoi tu parles comme ça? Je n'aime pas ça. Et tous les gars avec qui tu sors depuis? Celui avec lequel tu as passé la nuit là, ça t'a mené où? Ça ne t'a mené nulle part. C'est toi qui nous as menés dans ce pétrin. Maintenant, tu ouvres ta bouche pour parler. Arrête ça. Je n'aime pas ça. C'est parce que tu... Arrête ça tout de suite. Ça n'a rien produit de bon. Ne parle plus là-bas. S'il te plaît, Sophie, aide-nous. Essaye. Au moins, ce plat est meilleur que le tien, maman. Allô? Allô, bébé? Bébé, tu sais que ta chérie est là. Tu sais que ta chérie est là. C'est juste que tu me manques. Tu sais que ça fait un moment. Igwe, je te l'ai dit. Igwe, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, Igwe. Igwe, la quête est bon, t'as cuisiné ce poulet. De toutes les façons, c'est mon personnel en cuisine. Tu comprends? Ça te va? Hein? Igwe! Mon fils est de retour! Mon prince. Mon fils est de retour! Waouh! Cher ancien,
Je vous salue tous. Merci, merci. Tu es la bienvenue. Merci. Tu es la bienvenue. Merci. Itier. Bienvenue. Merci, Itier. Comment allez-vous? Tu vas bien. Comment était ton voyage? Bien, je suis déjà allé la voir. Vraiment? Oui. Vous savez que je ne peux pas revenir sans passer voir quelqu'un d'aussi cher à mon cœur. Tu as bien fait. Merci. Tu as bien fait. Bien. S'il te plaît, passe-moi mon vin. Oh. Ah, laissez-moi me servir. C'est très bon. Allez, sers-toi. Ouh. Mm-hmm. C'est très délicieux. On est vraiment gâtés. Hein? On est vraiment gâtés. Ah oui, très bon. Très, très bon. Oh mon Dieu, dis-moi. Hey! Regarde-moi cette montre. Hey! Oh, c'est vraiment si très beau. Attends, je vais aller regarder à la lumière. Hey! Je suis trop contente. Seigneur Jésus, c'est vraiment magnifique. Je l'adore. C'est chico. Ah, qui pourrait m'aimer comme mon prince? Hey! Grande sœur. Seigneur. L'amour qu'il a pour toi est vraiment fort. Hein? Je ne sais même pas comment te dire à quel point tu es chanceuse, oh. Wow. Aïe. Ah, dis-moi, je suis reconnaissante envers Dieu. Et pour le prince Ojoku, il n'a pas idée de combien je l'aime. Je l'aime tellement. Seigneur, regarde, moi, cette Que montre. Se passe-t-il ici? Bonne arrivée, maman. Bonne arrivée, maman. Le prince est de retour. Il nous a apporté plein de choses. Oh. Vraiment? Où sont-elles? Puis-je les voir? Ne t'en fais pas, on les a rangées à l'intérieur. Mais ceci en partie. Maman, regarde cette montre. Hey. Hein? Regarde-moi cette montre. Hey. Ceci, c'est pour moi, de la part de mon prince. Hey. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau, très beau. Et je suis sûre que ça coûte également très cher. Bien sûr, bien sûr. Hey, mais sache que cette montre, tu vas la porter, je vais la porter. Maman, ça c'est pour moi, je ne partage pas. Hein? Mais c'est je suis ta moi. Mère. Regarde. C'est pour moi, je ne partage pas. Maman, il est évident que Djoukou m'aime sincèrement. Oui. Il m'aime profondément. C'est vrai, ça ne fait aucun doute. Hein? Ma fille, tu dois jouer tes cartes à la perfection. Tiens-le bien. Maman. Tiens-le fort. Tu ne me fais J'ai pas raison, confiance. J'ai raison, n'est-ce pas? Hein? Fais-moi confiance. Je sais exactement quoi faire. Hey! Je te fais confiance. Je ne vais partager ceci avec personne. Tu dois partager avec moi. Tu dois partager avec moi. Je suis ta mère. Bébé, s'il te plaît, il faut qu'on les aide. Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que tu dis? Bébé, qu'est-ce que tu dis? Qu'on les ramène tous ici chez nous? Est-ce que tu réalises qu'ici est notre foyer conjugal? Hein? Bébé, c'est juste pour un moment. Ok, d'accord. Si tu ne les veux pas toutes ici, fais-en au moins venir Angèle pour qu'elle reste avec moi. Tu sais bien que c'est une amie de très longue date. Tu sais ce que je vais éviter? Je ne veux pas faire venir quelqu'un ici qui causera des problèmes entre nous. Non, voyons. Hein? Angèle ne peut pas faire ça. Elle vient déjà ici passer la plupart de ses week-ends avec nous. Et elle n'a jamais causé d'ennui. C'est parce qu'avant, elle avait une maison. Maintenant, elle est sans abri. Elle voudra rester ici pour toujours si on lui ouvre les portes. Je ne sais pas pourquoi je refuse de comprendre. Hein? Ok, voilà ce qu'on va faire. Hein? Dis à Angèle d'envoyer son numéro de compte. Je vais lui envoyer un peu d'argent et elles pourront se prendre un hôtel. Je pense que c'est la meilleure solution. Hein? Pendant combien de temps? Dis-moi, t'as entendu ce qu'elle a dit? Leur maison a brûlé. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît, fais-le juste pour moi, je t'en prie. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Angèle peut venir rester avec nous. Oh. Mais sa mère et sa sœur vont rester à l'hôtel, ok? Elles vont rester à l'hôtel jusqu'à ce qu'elles se relèvent et trouvent une autre maison, ok? Merci, merci, merci beaucoup, mon amour. Maintenant, tu souris. Bien sûr. Tu n'arrêtes pas de me mettre la pression, hein? Pourquoi tu veux me donner l'attention? Ce que tu fais là, c'est de la corruption. Non, chérie, ce n'est pas de la corruption. Je le fais tout le temps. Donc maintenant, je peux boire en paix. Oh. Tu peux. Je t'en prie. Merci, chérie. Oui, tu. Je te dis, aide-moi, Biko. Hein? Non, je serai de retour demain. Je vais te rappeler, hein? Non, comment est-ce que je peux oublier de t'appeler Biko? Hein? À demain.
Maman, tu as fini? Oui. Écoutez, Sophia, toi et moi, demain, dès la première heure, nous allons au village. Toi, tu peux rester ici si tu veux. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que ton amie a dit? Elle a dit qu'elle me rappellerait après avoir discuté avec son mari, donc je dois juste attendre. Pourquoi? Elle ne peut pas nous aider? Hein? Je ne comprends pas. C'est ton amie, elle ne peut pas t'aider, hein? Je ne comprends pas. Je veux dire, quel genre d'aide? Tu veux dire nous toutes? Mais bien sûr que si. Mais qu'est-ce que tu crois? Comment c'est possible? Même pour moi seule, je négocie encore. Ah, pardon, laissez-moi d'abord négocier pour moi. Attends un peu. Ce n'est pas elle qui essaie encore d'avoir un enfant avec son mari? Ma sœur, c'est elle. Maman, si tu vois la maison dans laquelle ils habitent, une très belle maison, et son mari est tellement beau. Oh mon Dieu. Maman, je suis jalouse. Parfois, j'ai l'impression qu'elle a envoûté cet homme. Oublie-moi cette histoire de charme. De quel genre de charme s'agit-il? Angel, tu n'es même pas futée. Je ne comprends pas. Tu ne joues pas bien tes cartes. Oui, si je mets mes pieds dans cette maison, moi, Sophia, et que cet homme pose ses yeux sur moi, sur tous les sens devant cet homme, il va fondre, il va tellement saliver qu'il va me supplier de l'épouser. Je veux que tu saches une chose, les hommes, tu vois, les hommes sont polygames de nature. Une seule femme ne pourra jamais suffire à un homme. Ok. Jamais. Pardon, ne fais pas attention à ta sœur qui prétend être un ange alors qu'elle n'en est pas un. Hein? Tu vois pourquoi j'aime ta sœur? Maman, je ne prétends pas être un ange. Je ne le prétends pas, ok? Je ne vais pas dans cette maison avec permission d'arracher le mari de ma copine. Ce n'est pas le cas. Tout ce que je sais, c'est que cet homme aime sa femme et tous les hommes ne sont pas pareils. Point barre. Est-ce que c'est le seul homme à aimer sa femme? Les autres aussi aiment leur femme, mais ils continuent de coucher par-ci, par-là. Bien sûr, je les connais tous. Celui qui est venu la dernière fois, il n'est pas marié. Ah. Tu vois pourquoi j'aime ta sœur? Elle est ma copie conforme. Regarde comment elle est checkée. Les hommes sont des chiens. Est-ce que vous êtes... Ils ne sont vous pas êtes sérieuse. Si tu Sois vas vaillante. Dans cette maison, ouvre tes yeux. Ouvre bien l'œil. Papa, comment tu peux dire une telle chose? Tu veux une jeune fille? C'est le genre de femme que je veux épouser. Sinon, vous allez devoir oublier cette histoire de mariage. Tu ne peux pas parler comme ça, papa. Tu as entendu ce que les dieux ont dit. Tu dois te remarier avant le prochain festival, mais pas avec une jeune fille. De toutes les façons, il tient en train de tout préparer pour que tu épouses Agnès. Qui? Agnès, l'enseignante du village. Oh. Du coup, mon fils, Agnès est vieille. Hein? Tu ne vois pas? Elle n'est plus toute jeune. Regardez-moi ce monsieur. Attends, papa. Ce que tu veux, c'est une jeune fille. Elle va t'anéantir au lit. Hein? Tu le penses? Bien sûr. Audio? Où est la force? Je suis ton père, tu sais. Écoute, trouve-moi une jeune fille avec ses seins encore de beau. Hein? Cherche-moi une jeune fille diplômée, hein? Amène-la-moi. Et si je ne suis pas capable de la disséquer? C'est-à-dire la faire grimper au rideau. De façon royale, si je ne peux pas la mener au septième ciel, eh bien dans ce cas, tu pourras hériter d'elle. Ok, d'accord. Mais papa, franchement, plus sérieusement, tu as besoin d'épouser une femme mature. Une femme dont la vision va en droite ligne avec la tienne. Une femme qui peut être sur la même longueur d'onde que toi. Mon petit papa, pense-y, tu n'as pas besoin d'une jeune fille. Vous allez parler de quoi? Qu'est-ce qu'elle saura même de l'administration ou des devoirs véritables d'une reine? On y a un cousin d'arbre, de sigue. Papa, s'il te plaît, attends, tu es sérieux? Wow. Hey! Un jeune homme comme ça. Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Bayer, c'est Monica O. Monica a tué quelqu'un. Regardez ce jeune homme qui est couché là. Hey! Qu'est-ce qu'il lui a fait? Monsieur le bailleur, ils ont fait la chose et après le gars est mort. Quoi?
Donc, Monica continue à faire ce genre de choses dans ma concession. Pardon, pardon, pardon. Monsieur Lobaya, ne faites pas comme si vous ne le saviez pas. Nous tous on sait ce que Monica et toi vous faites dans cette concession. Sachez que nous allons informer la police. Donc réfléchissez déjà à ce que vous allez dire quand ils seront là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi qui l'ai tué. Monsieur Lobaya, si la police arrive ici, c'est d'abord à vous qu'on va poser des questions. Alors, où sont donc Monica et ses filles? Bayer, elles ont fui. Et à l'heure où je vous parle, il y a certains garçons qui sont à la trousse. C'est sérieux? Ha! Je ne comprends pas ce qui se passe. Ton amie là peut être vraiment méchante. Je ne comprends pas. Depuis tout ce temps, elle n'a pas encore parlé à son mari. Vraiment? Après tout ce que tu as dit sur elle ça là... Ça me dépasse. Mais ça, c'est la méchanceté, non? Écoutez, moi-même, je suis confuse. Et dire qu'elle ne décroche plus mes appels, je ne sais même plus quoi penser. Sophia, je pense que je devrais aller directement chez elle. Aller où? Tu cherches quoi faire? Tu veux qu'elle te fasse honte là-bas? C'est ça que tu veux? Non, non. Elle n'est pas comme ça. Allez, pourquoi ferait-elle cela? Je vais juste aller voir si elle m'ignore ou pas. Mais si elle m'ignore vraiment, je vais lui montrer. Eh, de quoi je parle là? Sandawebe, c'est mieux que tu ailles avec Sophia, ta sœur. C'est mieux comme ça. Elle connaît le jeu et elle sait y jouer avec brio. Exactement. Donc elle va t'aider à séduire et prendre son mari. Vu que tu n'as pas le cœur de le faire, fais ce qu'on te dit. Maman, attends. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'on va à mission séduction? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Es-tu une sainte? Tu ne baises pas? Les saintes en font pire. Ce que tu as là en bas ne fonctionne pas. C'est quoi ton problème? Sophie. Ton vagin là travaille. Il travaille même très bien. Ce travail-là, tu ne peux pas bien le faire. Prends quelqu'un qui a tous les atouts et qui est prêt à le faire. Laisse-moi donc t'aider à faire le travail. Tu ne veux pas m'emmener. C'est toujours la sainte. Attendez, c'est Ebuka qui appelle. Allez, allez, décroche, décroche. Allô, bébé. Bébé, ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Tu ne vas pas le croire. La boutique de ma mère s'est écroulée. Il y a même eu une explosion. Tout a complètement brûlé. Ma mère s'est même cassée la cheville, elle est à l'hôpital en ce moment. Mais pourquoi j'avais accepté de louer cette maison à cette femme, hein? Pourquoi? Ce n'est pas possible. Que pensez-vous qu'on peut faire maintenant? Je ne sais vraiment pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Monsieur le bailleur, vous demandez à qui? C'est moi qui ai violé ce jeune homme à mort? Savez moi qui l'a baisé jusqu'à mourir? Pourquoi tu parles comme ça? Ceci est très sérieux. La police est là. Il nous a été rapporté que quelqu'un est mort dans cette concession. Officier, Dieu merci, vous êtes là. Ok. Une femme de ma concession a violé cet homme à mort. Pardon? Et qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis le bailleur. Ah, c'est vous le bailleur? Oui. Et qui êtes-vous? Un locataire responsable. Vous, madame? Je suis locataire. Vous? Je ne suis qu'une locataire. Caporal, arrêtez-la. Hey! Officier. Gardez votre silence, sinon tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Allez, avancez. Vous venez m'arrêter chez moi? Avancez! Je suis un locataire responsable. Allez, avance! Bailleur. Allez, j'ai ma carte d'identité. Je n'ai rien fait. J'étais dans ma chambre. Avance. Bayer. Allez, marche. Hey. Avance. Hey, je suis fatigué. On va les retrouver. Kherson, nord, sud ou n'importe où, on les aura. Vous inquiétez pas. Par tous les moyens, on les aura aujourd'hui. Si je les attrape, hein? On va correctement et sérieusement les tabasser. Oh, je te dis que peu importe où ils sont, on les aura. La femme que vous recherchez, est-elle avec deux filles? Oui. Je te l'avais bien dit. Il y a une femme avec deux demoiselles dans une maison abandonnée là en bas. Allons-y. «
Hé, hey, bébé. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bébé, c'est une longue histoire. Je te présente ma mère. Maman, bon après-midi, maman. Bonjour, mon bel homme. Comment tu vas, mon mignon? Je vais bien, merci, maman. Et elle, c'est ma sœur, Angel. Ok, Angel, salut. Comment tu vas? Je vais bien, beau gosse. C'est Tina, la beauté dans la famille. Hein? Merci, bébé. Alors, allons dans la voiture, ok? D'accord? Ok. Okay, d'accord? Allez-y, entrez. Où sont-elles? C'est ici que je les ai vues. Où ça? Ah, ici non, toutes les trois étaient ici. Attends, attends. Que faisais-tu ici? Bien, je suis venue ici pour changer ma serviette hygiénique. J'ai mes menstrues. Mon Dieu, fais-nous voir. Ok, fais-nous voir. Vous êtes malade. Vous voulez que je vous montre quoi? Vous voulez voir quoi? Vous voulez que je me déshabille ici? Bah, bien sûr. Ok, montre-nous. On veut voir. Allez, montre-nous. Je ne comprends pas. Attendez, c'est une offense de vous avoir mené ici? Hein? Hey. Écoutez, ne vous approchez pas de moi. Porte-toi. Tu t'en vas, n'est-ce pas? Les gars, on n'a pas le temps. Continuons de les chercher. Nous devons retrouver ces filles, les gars. Fouillons partout. Le roi Ojukwu est-il fou? Pourquoi sa majesté voudrait-il épouser une jeune fille? Il a dit qu'Agnès est vieille et qu'il ne veut plus d'elle. Papa. Papa, le roi la ressemble à un homme qui aime trop les petites filles. Hé, hey, ferme ton clapet. Si le prince n'était pas amoureux de ta sœur, c'est toi que j'allais choisir pour lui. Hey! Papa, papa, papa. Papa, non. Que Dieu m'en garde. Pas ma fille. Pas notre fille. Regarde-le. Un homme qui se rapproche de sa tombe. En tout cas, je n'ai plus rien à dire. Et que voulez-vous que je dise? Je pense qu'aucune jeune fille de cette communauté voudra faire cela. Naï. Naï. Ce ne sera pas bien pour notre fille. Tu dois trouver un moyen, une astuce pour que le roi change d'avis. Souviens-toi que c'est notre fille qui est impliquée. Oui, papa. Biko. Papa, tu dois trouver un moyen pour convaincre le roi. Oh. Ah. N'es-tu pas le Nohou? Convainc-le, non? D'accord. Où suis-je? Donc, celui-ci n'est pas mort? Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi? Où est madame Monica? Ah, tout ça c'était pour rien! Tu n'es pas mort? Hey! Seigneur Dieu, tu nous fais courir de gauche à droite! Je suis d'abord mort. Si je te colle une baffe, hein? Tu vas devenir dingue. Allez, dépêche-toi de sortir de ça avant qu'on te fasse du mal. Regarde comment il est. Sors d'ici. Prends tes vêtements et sors. Prends tes habits, rapidement. Grouille, dépêche-toi. Accélère. Allez, dépêche-toi avant qu'on te frappe. Regardez-le. Regarde-moi son caleçon. Espèce d'imbécile. Reviens ici et tu vas mourir pour de bon. Idiot. Pourquoi ce genre d'homme appartient toujours aux autres femmes? Je ne veux pas passer ma vie dans les hôtels. Je veux aussi être sûre que la personne qui s'occupe de ma fille est heureuse et pas avare. Parce que tu ne peux pas conduire ce genre de voiture et être aussi avare. Un avare? Pourquoi ne pas nous amener à l'hôtel? Vous n'avez pas du tout besoin de vous inquiéter, ok? Je vais vous conduire dans un très bon hôtel, d'accord? Mais c'est quoi ça? Je veux juste être sûre que je connais ma fille, hein? Elle ne ferait jamais rien avec un homme aussi avare. C'est pour ça que je dis Anna Sachon. Maman, ça va? Bébé, s'il te plaît, peux-tu nous emmener à l'hôtel? Tu sais que je te réserve quelque chose de bien meilleur. Je ferai tout pour te faire plaisir, ok? Je te fais confiance. Merci, mon amour. Ok. Mais ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de nous. Je te fais confiance. Oui. Je sais de quoi tu es capable.
Pas comme Angel qui se prend pour un ange angélique. Merci. Bébé, comment est-ce que ton père peut prendre une telle décision? Et tu vas le lui permettre? Moi, lui permettre? Non. J'attends seulement la jeune fille qui va accepter de l'épouser pour que je puisse l'arrêter sans aucune forme de procès. Il doit épouser Agnès, celle que les anciens ont trouvée pour lui. Si ton père épouse une jeune fille, tu sais que ce n'est pas bon pour nous. Je sais. Et je ne permettrai pas qu'une jeune fille entre dans ce palais pour déstabiliser les choses. Ne t'inquiète pas pour ça. La viande est prête. C'est encore au feu. Ok, s'il te plaît, fais vite. Bébé. Quoi? De la viande. Tout comme moi, si mon maman là est canne. Tu vois la viande là? Tu dois la manger. Bébé, je ne mange pas. Attends, je mange déjà les arachides. Tu n'as pas de choix. Tu vas manger la viande aujourd'hui. C'est pour toi qu'elles sont en train de cuisiner. Demande-lui d'arrêter. Je ne mange pas. Tu vas manger aujourd'hui. Je ne veux pas. Tu vas manger. Je ne veux pas. Lève-toi alors, tu pars. Je ne veux pas. Tu vas manger. C'est forcé. Oui. En tout cas, je ne mange pas. Je t'ai dit ce que j'avais à dire. Tu n'as pas de choix. C'est toi qui vas manger. Iboko. Pas moi. Nebutanu. On est à Kea. Nebutanu fait. Koya ta koya. Kakakaduka. Ekog. Ekog. Obi, t'as pas besoin de pleurer, hein? T'as pas besoin de pleurer. Oh non, j'ai pas besoin de pleurer. Je t'ai dit que je suis enceinte et toi tu dis que j'ai pas besoin de pleurer. Ne t'inquiète pas. Si mes parents l'apprennent, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Obi, calme-toi, hein? Je promets que je vais t'épouser. Regarde, je suis le Nohu de ce royaume. Je vais t'épouser. Allez, calme-toi. Si mes parents l'apprennent, je vais prononcer ton nom. Je vais prononcer ton nom, je vais prononcer ton nom. Hé, écoute, je vais t'envoyer en ville. Ils ne sauront rien. Je vais louer un appartement pour toi en ville. Et nous allons également vérifier si c'est un garçon. Si c'est un garçon. Et si c'est pas un garçon? Oh, nous allons l'enlever. Hein? Je vais toujours t'envoyer en ville. Louer un appartement pour toi. Pour l'instant. Moi, je comprends pas ce genre de choses. Je ne comprends pas ce genre de choses. Je ne comprends pas. Prends ceci. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Relax. Ne t'inquiète pas. Ça, c'est ce que je cherchais depuis. Hein? Tu peux partir. Laisse-moi partir aussi. Hey. Sophia. Tcha! Maman, cet homme est riche. Regardez-la. Regarde-toi comme tu es content. Maman, cet homme est plus aspicos in yeinogoso. Tu profites de la sueur de quelqu'un d'autre. Quand on te demande de travailler pour avoir ta part de gâteau, là tu deviens un ange angélique. Tu ne veux rien faire. Profite. Il est riche. Oui, il est riche. Et tu es venu pour profiter. Ça va, maman. Laisse Angel tranquille. Tu sais qu'elle a déjà fait un choix de vie. Donc laisse-la. Hein? Laisse-la. La vie qu'elle a choisi de vivre. Ça ne profite à personne, ça ne me profite pas du tout. Angel, la vie que tu veux vivre ne pourra payer à personne. Oh. Change! La seule chose qui peut t'aider maintenant, c'est de changer. Angel, change! Et deviens une meilleure personne. Je ne sais pas comment je peux avoir deux belles filles comme vous. Vous avez tout ce qu'une femme peut désirer pour avoir un homme meilleur. Regardez-vous devant, regardez-vous derrière. Bien équipé et massif. Et vous ne voulez pas les utiliser, vous voulez que je continue de pleurer? En tout cas, si vous ne voulez pas m'aider, je vais m'aider moi-même. Je vais commencer à me faire plus belle pour attirer plus de clients et me faire beaucoup d'argent. Merci mon Dieu, je suis encore jeune. Je vais le faire. Hey. Je suis une très belle femme. Regarde-toi maman. Écoute comment tu parles, on dirait que tu ne prenais pas soin de toi. Vas-y, laisse ça, je sais. Toi, toi que je connais là, toi, laisse-moi te dire une chose. Je connais Angel. C'est une pute. C'est même une grande pute. Oh. Mais même si Angel ne veut pas te rendre fière, moi, Sophia, Sophia, je te rendrai fière. Mami, tu vois? Maïvelia, je te rendrai fière. Est-ce que tu vois? Je te le dis. Ma chérie, tu vois pourquoi je t'aime beaucoup? Je t'aime beaucoup parce que tu es la fille digne de ta mère.
Si elle ne veut pas nous aider à essuyer nos larmes, nous sommes prêtes. Il y a une mission que nous allons exécuter ensemble. Et ce business que nous allons exécuter ensemble, laisse-moi te dire, ce business nous rapportera des millions. En fait, de l'argent éternellement. Maman, toi et moi savons comment ton dernier business est terminé. J'espère que ce n'est pas ce genre de business. Idiote. Non mais sérieusement, après on s'est retrouvé à 24 heures. Tu as ramené un enfant à la maison. Regardez-moi ça. Papa, tu es rentré? Bonne arrivée, papa. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me tapotes? Papa, tu étais perdu dans tes pensées. Quel est le problème? Est-ce que je t'ai dit que j'avais un problème? Te l'ai-je dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Maman, papa est rentré, il était perdu dans ses pensées. Je l'ai juste tapoté un peu et il s'est enflammé. Naï, c'est quoi le problème? Chérie, ah, s'il te plaît, enlève ta main sur moi. Hey! Maman, tu es sûre que tout va bien? Je n'ai jamais vu papa dans cet état. Tu es sûre que tout va bien avec Igwe? Ne t'inquiète pas, je reviens. Mon fils? Oui, papa? Comment avance le projet d'Abbé Okuta? Très bien, papa. Je suis vraiment impressionné par ces gars. Tu savais que bientôt nous allons ériger les poteaux? Vraiment? Oui. Bien. Je suis content. Est-ce que les documents sont déjà prêts? Oui, pa. Je les ai déjà. Dès que je finis avec eux, je te les remets et puis tu apposes ta signature. C'est bien. C'est bien. Ça me rappelle. Pourquoi tu freinais les préparatifs de ton mariage avec Flora? Je veux dire, la fille d'Eke. Papa, ce n'est pas comme si je freine les choses intentionnellement. C'est juste que je réfléchis et je ne veux pas qu'on gère plusieurs projets au même moment. Tu sais que bientôt tu vas te marier. Et puis, les villageois attendent impatiemment de célébrer. Et à côté de ça, nous avons le projet d'Abbé Okuta. Si j'ajoute mon mariage à la liste, ça va faire beaucoup trop de choses à gérer au même moment, donc j'ai décidé de tout mettre en suspens. Pour le moment. Ok, d'accord. Pas de soucis. Bien. Angel, arrête de défendre cette stupide fille. Elle est méchante. Elle n'a aucune conscience, c'est tout. Bah, elle n'est pas méchante, pardon. Je suis sûre que quelque chose ne va pas dans son foyer. C'est pour ça qu'elle ne m'a pas rappelé. Et elle ne pouvait pas t'aider, toi, son amie. Si ce n'était pas ce charmant garçon. Qui est venu nous secourir dans cet immeuble inconfortable? On serait encore là-bas actuellement. On aurait dormi dans un chantier. Oye, c'est qui? Entrez. Ebuka. Oh. Ce gars me fatigue, laisse-moi tranquille. Ah ah, qu'est-ce qu'il y a? Maman, la dernière fois que ce gars m'a prise, je me suis presque évanouie. Tu peux aussi être ingrate? Ah ah. Tu peux aussi être ingrate. Que veux-tu dire? Après tout ce qu'il a fait pour nous. Regarde le repas. Regarde la chambre. Regarde tout ce qu'il a fait. Oh, Naï. C'est moi, maman. Pourquoi tu es comme ça? Tais-toi. Tais-toi. Au moins, Ningou, Naï. Naï, entre. Hey. Maman, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Non. Ouais. J'espère que vous aimez la nourriture. Oui, c'est très bon. Tout est parfait. Ok. Maman, ça va? Est-ce que tout va bien? Quel bon. La nourriture est bonne, mais moi, ça ne va pas. Pourquoi?
Et tu nous as offert le repas. Tu as mis tout ce confort à notre disposition. Mais comme tu peux le voir, ce lit est tellement petit pour nous trois. Je ne peux pas dormir dans ce lit. Tu sais que nous avons souffert. Maman, maman, pourquoi tu es si désagréable? Tais-toi, tais-toi. Non, ça va, c'est bon, c'est bon. Si tu me parles encore, je vais te choquer avec toi. Je vais te choquer. Est-ce que je peux prendre une autre chambre pour vous? Ne t'inquiète pas pour nous, ça va aller. Mais, Naï, tu peux l'amener dans ta chambre. Sophia, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu es ingrate? Tu peux la prendre dans ta chambre. Tu es avec quelqu'un d'autre? Non, 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 je suis seule. Je voulais juste pas faire n'importe quoi à votre présent. Hey, tu es... C'est rien, je suis dans la 205. Maman, c'est juste à côté. Oui. Hey, c'est tout proche, non? Inamonanagan. Sors juste là, tu cherches la chambre et puis tu entres. Oui, exactement. Je finis d'abord ma nourriture ensuite. Hey. Ok, après le repas, hein. Maman, tu es à l'aise, n'est-ce pas? Nandal, 205. Pendant ce temps, prenez bien soin de toi. Merci ouais, beaucoup. Ouais. On se voit plus tard, bébé. Je rentre en t'attendre. D'accord. Angel. Oh, tu vois ce que tu viens de faire? C'est de ta faute. Tu iras toi-même dormir avec lui. Oui, toi-même. Tout ce que tu viens de dire, tu iras toi-même. Oh, Diego. Je vais manger toute cette nourriture. Tout ça parce que j'ai dit la vérité. Quel genre de vérité? Après tout, c'est toi qui seras toujours la gagnante. Non, c'est toi qui iras le satisfaire. Je n'irai nulle part. Ok, oh. Wow. Tu imagines? Tu iras toi-même le satisfaire, je te le dis. C'est tout simplement pour ton bien. Je n'irai pas là-bas. Tout ce qu'il a acheté pour nous, tu dois compenser ça. Tu. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Hein? À quoi est-ce que tu penses? Naï, tu nous fais peur. Dis-nous ce qui te tracasse. Tu es assis ici depuis un bon moment. Hein? Vous, ces gens, à la fin, vous allez finir par me mettre en colère. Vous ne pouvez même pas me laisser réfléchir dans cette maison et être en paix. Mais tu peux quand même nous dire quel est le problème. Ce n'est pas bon pour toi de rester seul ici à réfléchir. Oh. Hein? C'est d'accord. Comme vous voulez tellement le savoir, c'est tout ce qui concerne le roi et ses décisions. Il m'a donné des consignes. Au quoi, Gogo? Hein? Vous êtes satisfaite maintenant? Ah, papa. Tu aurais dû nous le dire depuis, non? Hein? Papa, ne t'inquiète pas. Le prince gère déjà la situation. Tu n'as pas besoin de te tracasser pour cela. Naï, donc tu ne veux pas nous dire quel est le problème, hein? Tu penses que je suis un bébé? Tu penses que je suis un petit enfant que tu peux tromper de cette façon? Naï, tu dois me dire quel est le problème. Sinon, aujourd'hui, nekpa, manino jururu, nekana, nekpo. Tu penses que je ne te connais pas, hein? Vous avez vu votre mère? Lorsque je parle, elle fait des problèmes. Lorsque je ne parle pas, elle fait des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez exactement de moi, vous ces gens? Rapunumaka! Laissez-moi tranquille. Laissez-moi réfléchir sur ma vie, hein? C'est bon. C'est bon. Maman, tu vas toujours trop vite. Hmm? Parfois, tu dois juste prendre les choses calmement. Hey! Pourquoi ne devrais-je pas aller vite? Hein? Pourquoi ne devrais-je pas aller trop vite? Comment je peux avoir deux belles filles, mais je souffre? Hein? Je ne peux rien faire. Vous devez vous servir de ce que vous avez pour avoir ce que vous voulez. Travaille et rends-moi fière. Travaille, investis sur toi-même, utilise ton corps. Ceux qui l'ont fait ne sont pas morts. Maman, écoute. Oh! Les choses ne se passent pas toujours comme on l'entend. Nous ne sommes pas Dieu. On ne peut pas être plus rapide que Dieu. Tout va bien se passer. Calme-toi juste et regarde comment les choses se mettent en place. C'est quand je vais mourir. On n'en est pas encore là. Oh, c'est Rose. C'est qui? Nawa. Allô? Comment tu vas? Oh. Tu es sérieuse? Et il y a... Oh, je suis désolée. Vraiment désolée, ok? Ne t'inquiète pas pour nous. Nous sommes déjà à l'hôtel.
Oui. Je viendrai te voir demain. Mais tu devrais déjà t'être habitué. Pourquoi es-tu toujours en train de t'inquiéter? Ok, très bien. On se voit demain, d'accord? Prends juste bien soin de toi. Tout va bien se passer. Bye. Qu'est-ce qu'elle raconte cette fois? Maman, ça n'a rien à voir avec le mensonge. C'est sa belle-mère. Cette femme lui fait vraiment vivre l'enfer. Juste parce qu'elle n'a pas encore fait d'enfant, après 8 ans de mariage, ces gens veulent seulement la tuer. Ah bah là-bas, 8 ans. Qu'est-ce qu'elle attend même pour quitter cette maison? Hein? Ah bah là-bas, 8 ans, sans enfant. Il ne serait pas alors mieux qu'elle quitte cette maison? Comme ça, une femme capable d'enfanter va entrer. Maman. Ah, allez. Ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce que tu dis cela? Moi, en tant que femme, en tant que mère, je ne peux vraiment pas tolérer qu'une femme que mon fils a épousée ne peut pas lui donner des enfants. Je vais juste la faire sortir de cette maison. Aussi, Béa Djoboni, tu épouses mon fils, tu ne lui donnes pas les enfants à moi. Si tu es infertile, je te mets dehors. N'importe quoi. Maman, le temps de Dieu est le meilleur. C'est pour cette raison que tu n'as pas pu saisir cette opportunité pour lui faire un enfant. Pour que je profite aussi. Ok, chouagaboum. Hein? Si tu es sage, essaye de maintenir ta place. Va, trouve-toi une place auprès de lui. Et ensuite, tu tombes enceinte de lui. Tu fais un enfant. Ne me parle pas. Regarde-moi comme elle est naïve. Mieux de toi, tu es un ange. Je vais voir où cet ange va t'amener. Qu'est-ce qu'elle raconte même? Tant de Dieu. N'importe quoi. Eh, papa, pardon, donne-moi ça. N'importe quoi. Tu racontes les conneries pendant que les femmes envoûtent les hommes. Tu aurais même déjà sauvé regarder ta place à l'heure qu'il est. Seigneur, comme tu quel penses genre que de tu mère m'as-tu donné? Je vais voir où ça va te mener. Papa, paparapapa, paparapa. Vous êtes de retour. Vous êtes de retour. C'était pas une blague, hein? Regarde, à cause de ces stupides garçons, ces maigres individus, j'ai dormi au poste de police. Écoute, je vais porter plainte contre le bailleur. Il va payer pour tous les dommages, je te le jure. Mais les gars, pourquoi vous avez laissé partir ces gars, non? Hein? On ne lui a rien fait. On l'a raté. Vous l'avez laissé partir. En tout cas, la prochaine fois, on ne va pas le rater. Alors, t'as goûté au nouveau système, toi aussi? T'as taillé? En fait, ce n'est même pas ça qui me fait le plus mal. Tu vois le bailleur là? Je vais le traiter. Tu t'imagines? Il nous a abandonné au poste de police, il est parti. Qu'il vienne me trouver ici. Tata, te fâche pas. Vous allez gérer avec lui. Igwe. Bonjour, mon roi. Oh, Timba. Igwe. Ojimba, assieds-toi, assieds-toi. Merci. Prends place. Igwe. Je t'écoute, Ojimba. C'est très surprenant que tu sois ici très tôt le matin. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Igwe, vous me connaissez, pas vrai? Si quelque chose vous concerne, si quelque chose vous tracasse, je ne pourrai pas trouver le sommeil. viens. Bonjour, Votre Majesté. Igwe, voici Adora. C'est la fille de Feu. De Feu Mazo no Kubi. Oh. Oui. Vous le savez. Ce dont nous avons parlé la dernière fois. Oui, oui, oui. Dont je l'ai amené pour que vous puissiez l'examiner vous-même. Oh, de Boboke. Igwe. Oh, Timba. Igwe. Toi. Allez, viens prendre. assieds-toi, prends place. Hein? Oh, Timba. Igwe. Hein? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que je ne peux pas dormir si je n'ai pas tenu une promesse que je vous ai faite. C'est un métier. Bonjour, Pa. Mon fils. Itié. Bonjour. 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 Bonjour, mon prince.
Bonjour, mon prince. Bonjour, assieds-toi. Iti, est-ce que c'est votre fille? Non, pas du tout. Vous vous souvenez la discussion que nous avons eue hier? Voilà. Oui. Donc je l'ai amenée pour que Sa Majesté puisse l'examiner personnellement. Itier, je peux vous voir un moment? C'est urgent. Ah oui? Tout de suite, s'il vous plaît. Ah oui, ok, c'est d'accord. C'est urgent, s'il vous plaît. Venez, venez, venez. Igwe, je vous reviens, très d'accord? Bien. Ok. Très bien, j'arrive. Mon prince, Itier, qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends pas, mon prince. Pourquoi vous soutenez mon père dans sa décision d'épouser une petite fille? Regardez même le genre de fille que vous lui avez ramenée. Check elle est qu'est. Mon prince, votre père est le roi. Personne ne remet ses désirs en question. En plus, vous étiez présent lorsque nous essayons de le convaincre d'épouser une femme plus mûre, mais il insiste sur le fait d'épouser une jeune fille. Je n'ai vraiment aucune envie de vous manquer de respect, Iti. Je vous conseille vivement de ramener cette chose où vous l'avez trouvée. Ne me mettez surtout pas en colère. Pourquoi me manquerez-vous de respect? J'essaie juste d'aider, hein? Et vous pouvez voir qu'il aime bien. Vous voulez vraiment me tenter? Mince! Prince Ojoku, vous avez osé m'insulter de la sorte! Seigneur! Vous avez déclenché la guerre. La guerre commencera très bientôt. Quoi? Iti, ce n'est pas ce qu'on s'était dit, oh. Donc, Igwe ne va plus m'épouser? T'inquiète pas, je ferai tout pour qu'il t'épouse, d'accord? T'inquiète pas. Hein? Tu ferais mieux d'essayer, oh. Comment le prince Richard peut-il réagir ainsi? Tu dois faire quelque chose, oh. Après tout, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. S'il ne m'épouse pas, je vais t'exposer et dire à tout le monde que tu as couché avec moi en me promettant le mariage avec Igwe. Non, 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 pas assez fort. Allez. Les gens peuvent l'entendre, tu sais. Je vais leur dire, oh. Ils vont l'entendre. Ils vont l'entendre. Oh. Tu ferais mieux d'aller parler à Igwe. Tu ne peux pas avoir eu mon corps pour rien. Je rentre chez moi. Oui, quand il sera d'accord, rappelle-moi. Oui. Hey. Cette histoire me couvrira de honte. C'est quoi ce genre de choses? Hey! Ojoko! Mon fils, ne refais plus jamais ce que tu as fait aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? Pas ce que j'ai fait aujourd'hui est dans ton intérêt. Même si tu t'y as épousé une jeune fille. C'est obligé que ce soit cette sale petite chose qui l'a ramenée pour toi. Ok, je sais qu'elle est sale. Je n'ai jamais dit que j'allais accepter de l'épouser. Jamais. Mais mets-toi déjà en tête que je n'épouserai pas Agnès. Agnès est vieille. Et mon fils, je ne suis pas aussi vieux que tu le penses. Pas Agnès est le genre de femme qu'il te faut. Agnès est enseignante. Elle est éduquée et elle est mature. Mon fils... Ne refais plus jamais ce que tu as fait à Odimba, dans cette maison. Ok? Et pour l'amour de Dieu, c'est moi qui lui ai demandé de faire ce qu'il a fait, et il travaille pour moi! Oui! Est-ce que je vais épouser Agnès? Non, jamais! Pas! Mon fils! C'est Tujuku ou peu importe comment il s'appelle! Si jamais il ose encore m'insulter! Comme il l'a fait aujourd'hui, d'accord? Ce que je vais lui faire, il ne l'oubliera jamais. Qu'est-ce que c'est? Le fait qu'il soit un prince ne veut absolument rien dire pour moi. Après tout, j'essaie juste d'aider le roi. Hein? Désolé, Ojimba. Je vais lui parler. Mais tu n'aurais pas dû amener une fille aussi jeune chez le roi. On s'est tous mis d'accord que nous allons continuer à persuader le roi. Peut-être plus tard. Comment ça plus tard?
Nous sommes à court de temps. Nous n'avons plus de temps. Tu comprends ça? Hein? Onua, bonjour. Ah, Chifojima, Monica. Bonjour. Hein? Bienvenue. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Oui. Ah, Monica, comment vas-tu? Je vais bien. Ah, tant mieux. Ojimba, comment vous allez? Ah, je vais bien. Nous venons juste d'arriver de la ville. Ah ouais? Mm. J'espère que tu nous auras apporté du pain, de la sardine et toutes ces choses qu'on retrouve qu'en ville. Je vais d'abord rentrer avec ma D'accord. fille. Mais maman, nous ne sommes pas encore arrivés. Ah, ah, on est bientôt à la maison, non? Ojimba. Elle est comme une jeune fille. Allez. En plus, elle est très belle. Elle est très belle. Oui, c'est vrai, mais tu as entendu ce que je t'ai dit. Préviens-le. Préviens-le parce que je ne vais plus l'accepter. Voilà. Ça suffit, Ojimba. Ouais. Ça suffit. Je vais rentrer à la maison. Ouais, vas-y, rentre. Mais je t'ai dit. Vas-y. Mais maman, hein? Qui va nettoyer cet endroit? J'espère que ce n'est pas moi qui vais le faire. Je n'ai pas de force, je n'en ai pas. La façon ça sent même mauvais, oh. Il faut trouver la personne qui va nettoyer cet endroit. Je ne le ferai pas. Ne t'inquiète pas, oh. Je saurai quoi faire. Hein? C'est je mieux. Saurai quoi faire. C'est mieux, parce que je ne peux pas le faire. C'est trop dégoûtant. Ah, ah. Comment c'est dégoûtant comme ça? Hé, hey, maman, hein? Qui est cet homme qu'on vient de croiser? Tu poses trop de questions. Oublie ces hommes. Prends ces clés, tu ouvres la porte pour qu'on puisse mettre nos bagages à l'intérieur, Biko. C'est quoi ça? C'est laquelle? C'est même quoi ce bordel? Moni! Hé! Hey, Monica, ma chérie! Comment tu vas? Bon retour à la maison. Moni! Bienvenue. C'est quoi ça? Arrête. Ouais, ça va. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Sophia, comment tu vas? Bien. Très bien. Hey, ça va, bienvenue. Moni! Arrête ça. Ah, c'est bon. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je sais. Je vois. Désolé. Ça me fait même tousser. Alors, dis-moi, comment va Angèle? Elle n'est pas venue, elle est restée en ville. D'accord. Moni, oui. Trouve-moi des filles qui pourront venir nettoyer ici. Cet endroit est trop sale. Alors, tu ne fais plus confiance? Attends, c'est quand même moi, Ojimba. Je peux résoudre tous tes problèmes. Je sais. T'en fais pas, j'ai recherché des filles. Très rapidement, elles vont nettoyer cet endroit. D'accord? Très bien. Alors, à l'intérieur. Allez où? Elle est là. Ouais, mais... Tu veux... Jota, c'est mon... Très bien, plus tard alors. Va, ça va. Vas-y. Moni. Comment tu es comme ça? Tu m'as manqué. Vas-y. Arrête ça. Au moins, va là-bas. Mon prince, il n'est pas blâmé. Bien sûr que si. Je connais bien cet homme et je ne l'aime pas. Je suis sûr qu'il a un intérêt particulier dans tout ceci. Oh, mon prince, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Igwe. Onogo. Assieds-toi. Merci, Igwe. Le prince et moi étions en train de parler de ce qui s'est passé ce matin. J'ai vu Ojimba. Il n'était pas du tout content. Onovo. Igwe. J'ai dit au prince que Ojimba n'est pas blâmé dans cette affaire. C'est moi qui lui ai demandé de faire ce qu'il a fait. Je veux dire, c'est de ma faute. Pas, tu es en train de te faire berner par cet homme. Je le connais très bien. Et je ne l'aime pas. Je suis presque sûr qu'il a quelque chose à y gagner dans toute cette affaire. Peut-être qu'il a déjà perçu l'argent des familles de ses filles. Tu devrais le connaître mieux que ça, tu m'avais déjà parlé de ça une fois. Ojuko, je te l'ai dit et je te le redis encore aujourd'hui, que Ojimba n'est pas un homme si mauvais.
Ce n'est pas un mauvais homme. Hein? S'il te plaît, demande-leur d'apporter de la cola pour Ono. Ono, tu es le bien. Merci, Igwe. Je te le dis. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir immédiatement. Hein? Mais j'ai fait semblant devant l'Ono. Tu vois, Eke, que j'étais pas au courant de ton retour. Hmm? Donc ce que tu as à faire maintenant, c'est d'aller voir ta fille. Discuter du plan avec elle. Préparez-vous comme il se doit. Écoute, c'est une très bonne opportunité si elle marche. Ne me dis pas que si ça marche, ça a déjà marché. Oui. Hein? Oui. Je t'assure que ça va marcher. Voilà. Mais toi, tu n'as pas changé. Ah. Onjimba, toujours aussi. Monica, je suis content que tu sois de retour. Kai. Mais regarde-toi, mon Dieu. Arrête. Belle, radieuse, tu n'as pas fané du tout. Pourquoi tu es même comme ça? Laisse tomber. Tu peux faire ça en route? Oublie ça. Mais regarde-toi. Comme je suis belle. Laisse tomber. Regarde comment tu es belle. Mouah. Hein? Ne fais pas aussi comme si j'avais changé. Hein? J'ai toujours été belle. Le summum. Oui, donc je vais en parler à ma fille. Très bien, oui. Je te reviens le plus tôt possible. D'accord. Dès que les résultats sont prêts, tu seras informé. Oui, écoute juste ta partition et laisse-moi gérer le reste. T'inquiète pas. Tu comprends? J'ai compris. Voilà. Donc vas-y, tu prépares le plan et tiens-moi au courant. J'ai compris. D'accord? J'ai compris. Money, money. Monica, Monica. On se revoit très vite. Mon Dieu. Je vais te gâter, tu connais, non? Aïe. Je vais bien m'occuper money, de toi. Money, money. Money, money. On se voit après. Aïe, aïe. Ouh, quel bijou. Oui, je verrai comment le Igwe résistera à cette fille. Hmm? Monica, toi et moi allons diriger ce royaume. Oh mon Dieu, regardez-la. Quel déhanchement. Regardez comment le bossin danse. Hey. Ouah, toi et moi. Hey. Si vous ne nettoyez pas comme il faut, je ne vais pas vous payer. Vous n'avez pas encore terminé, dépêchez-vous. Pourquoi ça va si aussi lentement? Hein? Toi, viens. Dépêchez-vous. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Le gros projet dont je te parlais là, ce business dont je te parlais en ville, il est prêt à être lancé maintenant. Lequel exactement? C'est celui qui a à voir avec les Igwe? Oui. Ah. Cet homme m'a vraiment donné toutes les informations dont nous aurons besoin. Chuchuta Anunnaka. Fais-moi une faveur. Va juste à l'intérieur. Porte ton vêtement le plus sexy. Le genre qui mettra bien en valeur ta poitrine et ton fessier. Porte ça. Une tenue qui mettra tout ton corps à désirer, hein? Ha! Porte-la. Mais maman, nous venons juste d'arriver. On peut laisser et le faire demain. Ne dis pas ce genre de choses. Noko noko kane ni fa nyago. Plus vite on le fera, le mieux ce sera pour nous deux. Le Igwe a besoin d'une femme. Je ne veux pas qu'une autre arrive à le séduire avant nous. Ah, fais pas ça, Sophia. Mais maman, demain, ce n'est pas loin. Non, 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 fais-le maintenant. Fais-le pour ta mère, c'est moi, non? Fais vite, tu je peux te changer, fatiguée. Non? Laisse-moi t'aider à choisir ton vêtement. Celui-là, tu connais, non? Vite, vite, allons-y. Travaillez vite, vous êtes trop lente. Tu n'es pas sérieuse. Hmm? Tu ne peux jamais être sérieuse. Tu m'as bien entendue. Onjimba a mené Adora au palais pour la proposer comme épouse au roi. Peux-tu imaginer ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas exactement avec cette Onjimba? Donc, avec toutes les belles filles de ce village, ce n'est que cette stupide Ketchi qui l'a vue? Cette idiote veut devenir la reine de ce village. Jamais. Et figure-toi que ça n'a pas marché.
Ondimba et Adora ont reçu les dernières insultes que tu peux imaginer. Non, comme je te parle là, j'ai appris que le prince Ojukwu les a jetés hors du palais. Hey! Tu peux imaginer? Waouh, j'ai raté, oh! T'as vraiment raté. Il a eu raison de les chasser. Mais hein? Regarde-moi. Ah, je ne suis pas la future reine idéale. Toi-même, regarde-moi. Regardez-moi cette idiote. Regardez-moi cette impeque. Tu sais quoi? Reste là à attendre que le roi vienne t'épouser. N'importe quoi. Tu es en train de partir sans non, moi? Je suis ici avec toi. Tu es jalouse. En tout cas, je te suis. Maman, es-tu sûre que le roi ne sera pas fâché contre moi? Parce que j'ai porté quelque chose de trop court? Non! Calme-toi, tu n'as pas vu comment les gars te relouquaient? Oui, j'ai remarqué. Je suis sûre que cet igwe va tomber son glissé. Dajé, oui. Oui, il aime ce genre de personne. Alors ça veut dire que je peux essayer de le séduire? Bien sûr! Donc calme-toi. Jay. Oui! On va s'amuser. Igwe. Comment puis-je vous aider? Votre Majesté, c'est moi, Monika. Je suis venue avec ma fille pour vous rendre hommage. Monika? C'est... La femme Benny? Oui, allez, c'est viens moi. Viens. Oh, Monika! Hey, sois la bienvenue. Bienvenue. Voici ma fille. Viens dire bonjour au roi. Ok. Sois la bienvenue. Bienvenue. Asseyez-vous. Merci. Eh bien, soyez les bienvenus. Merci. Bienvenue. Oui. Merci. Ah. Nous sommes rentrés aujourd'hui même et je lui ai dit qu'on devrait venir vous rendre hommage. Oh. Vous savez, on a eu quelques problèmes en ville. Je me faisais humilier tout le temps parce que je n'avais pas de marque. Je suis venue vous supplier que s'il vous plaît, accordez-nous votre protection. Vous savez qu'on ne sera pas facilement accepté à cause de ce qui est arrivé. Bien sûr que je suis à votre service. La mission est de vous protéger. Protéger tous les habitants de cette terre. Et je crois que tu fais partie de cette terre. Toi et ta... Elle s'appelle Sophia. Ok, Sophia. Je vais vous protéger. Hein? C'est un homme bien, je te l'avais dit. Et elle est trop bien dotée. Oui. Oui. Elle est très bien. Oui, ça c'est en plus. Bienvenue. Merci. Votre sensez-vous à l'aise. Tu es libre de venir au palais n'importe quand, à n'importe quelle heure de la journée. Hey. Ma porte est ouverte, donc je serai là pour vous accueillir. Merci de faire de cet endroit notre deuxième maison. Oui, vous êtes chez vous. Il faudra venir le voir de temps en temps. Oui, je le ferai. Écoute, tu peux venir. Tu me demandes à n'importe quelle heure. Oui. Merci. Je dois vous protéger. Merci. Oh, de rien. Hein. Oh, désolé. Que puis-je vous offrir? Du champagne? Une autre boisson? Peu importe. N'importe quoi? Ok, garde. Oui, votre majesté. Apporte-moi une bouteille de liqueur d'abricot, hein. Et ensuite, demande aux servantes en cuisine de préparer quelque chose de copieux pour ces deux belles filles de notre terre, ok? Bien. D'accord, majesté. Oh, ma fille. Tu es très belle. Merci, Igwe. Oui, de rien. Tu es vraiment belle, oui. Merci, votre majesté. Sois la bienvenue. Tu es la bienvenue. Oh, mon Dieu. Oh. Oui. Je te l'avais dit. Il est content de nous voir. Je suis content de vous voir. Vraiment très content. Okay, votre majesté, merci beaucoup. Vous ne pouvez même pas imaginer comment je me sens. Merci beaucoup, mon roi. Vous êtes un homme très gentil. Oh, si vraiment? Nous n'étions pas déjà en train de prendre congé de vous, je serais restée avec vous. J'aurais bien pris soin de vous. Waouh. Vous êtes un homme bien. Ne t'inquiète pas. Je suis un homme très heureux à présent. Très, très, très heureux. Je sais. Tu as mon numéro de téléphone.
Envoie-moi ton numéro de compte afin que je te mette un petit quelque chose là-dedans. Hein? Hey. C'est pour prendre soin de toi pour un petit moment. Merci, mon roi. <voix. rire> mon chauffeur personnel va vous raccompagner. Oh, merci. Oh, voilà mon fils qui arrive. Ah, le prince Ojuko. Vous allez faire sa connaissance. Bienvenue, fiston. Bonjour, père. Bienvenue, mon prince. Bonjour, mon prince. Le visage me dit quelque chose. Oui, bien sûr, c'est Monica et sa fille, Sophia. Oh. Oui, elles sont venues rendre hommage au trône. C'est elles super. Elles étaient sur le point de partir. Oh, soyez les bienvenus au palais. Merci, mon prince. Père, je vais ranger les documents. Bien sûr. D'accord. Désolé. Désolé. Garde. Demande au chauffeur de venir. Il va les accompagner. D'accord, Majesté. Mon fils. Oui, père. Je suis un homme heureux maintenant. Je pense que je viens de trouver ma reine. Mais père, je pensais que cette femme avait été bannie de ce village. Oui, elle a été bannie. Mais le temps de son exil expiré, il y a 2 jours, elle vient juste de rentrer au village. Ah. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Mais père, comment as-tu accepté que cette fille entre ici au palais habillée d'une façon aussi provocante sans rien dire? Mon fils, calme-toi. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je lui demande de rentrer? Ah. Ce n'est pas une mauvaise fille. Ne la juge pas sur son apparence. S'il te plaît, qu'en est-il des documents? Oh oui, j'ai terminé avec la saisie. Je vais te les apporter plus tard pour que tu apposes ta signature. Ok, dès que tu es prêt. D'accord, père. Bien. Eh bien... Mon fils. Oui, père. Je pense que je vais épouser cette fille. Quelle fille? Sophia, bien sûr. Pardon? Tu vas épouser qui? Je ne laisserai pas une telle chose se produire, père. Pas dans ce palais. Est-ce que tu sais qui est cette fille? Tu as entendu parler de ses escapades avec sa mère en ville? Tu connais la vie de débauche qu'elle mène? Et tu veux la ramener ici pour faire d'elle une reine? Non! Je ne laisserai pas une telle chose arriver. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Quelque chose ne va pas chez toi? En tant que ton père et ton roi, tu n'as aucun droit de t'opposer à ce que je veux! Maintenant, j'ai fini avec toi. Sors d'ici. Père, tu vas vraiment le... Va-t'en! Sors d'ici! Maman, je suis tellement excitée. Je ne pensais pas que ça pouvait marcher. Ça a été trop facile. Parce que tu as douté de ta mère. Ah! Fais confiance aux capacités de ta mère. Negani din wanawa. Kide tiwa. Alakama kwebu. Imagine, nous serons au cœur des affaires de ce royaume. Je te dis. Et une fois que je serai la femme du roi, nous aurons gagné. Mais c'est maman. Quoi? Ma cible, c'est le prince. Quel prince? Le prince. Biko, ta cible devrait être le roi. C'est lui qui a le dernier mot sur toutes les affaires de son royaume. Tu as déjà vu où qu'un prince accède au trône en tant que prince et non roi? Maman, ce n'est pas ça. Tu sais, dès qu'il est sorti de sa voiture,
Je me suis sentie fondre à l'intérieur de moi. J'ai été séduite parce qu'il est très beau. Maman, j'aime les beaux garçons et tu le sais. Hé, tais-toi. C'est quoi ton problème? Hein? Il est le plus beau sur cette terre? La beauté a déjà été qui à mettre la nourriture sur sa table? Ça peut résoudre tes problèmes? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas que je me fâche. Le roi, c'est le bonus. C'est le jackpot. Il a le dernier mot. Regarde le prince. Il est le patron de son patin. Est-ce que c'est son argent? C'est son père qui lui décaisse de l'argent pour aller exécuter ses travaux ailleurs. Ni des plus pareils trucs. Tout ça, c'est la royauté. Arrête-moi ces sottises. On doit attendre qu'il y arrive pour lui faire le compte rendu. Est-ce que tu as déjà envoyé ton numéro de compte au roi? Hein? Nebana, Kotututu. Pas encore, je le fais tout de suite. D'accord, prince, prince. Qu'il est beau. Que comme dans ta vie, tu n'as jamais vu un homme. Maman, le prince est trop beau. Il est trop mignon. Pardon, fini. On va parler des choses importantes. Kokoni Fregena Venaga. Ya. Je l'ai envoyé. Tu veux me les business? Maman, en fait, si j'ai la possibilité, je me ferai les deux. Le roi et son fils. Regarde-toi. Je te le dis. Tu es même déjà pire c'est que moi. C'est toi qui m'as appris. Je me suis abreuvée à la source. Regarde-moi ça. Tu vois maman, donc que tu peux avoir ce que tu veux. C'est toi qui connais. Exactement. C'est moi qui t'ai éduqué. Bien sûr que oui. Regarde ce que tu as porté trop sexy. Bonsoir, père. Bonsoir. Père, tu as déjà signé les documents? Oui, déjà, ils sont dans ma chambre. Ok. Je voudrais que l'on discute de quelque chose. À propos de quoi? À propos de l'erreur que tu es sur le point de commettre. Je suis sur le point de commettre une erreur? Oui, père. Je ne sais pas ce que tu as vu en cette fille. Je n'ai aucune idée de ce qui te pousse à te jeter aveuglément dans ses bras. Même si tu veux épouser une jeune femme ou une fille d'âge moyen, ça ne devrait pas être cette fille que j'ai vue avec sa mère. Oui. Wokem. Ce qui ne me plaît pas, c'est d'avoir un différend avec toi. Surtout si ça concerne ce que j'entends faire pour mon propre bien. Ok? Cette conversation est terminée. Va-t'en. C'est la deuxième fois que tu me demandes de sortir aujourd'hui. Je n'ai pas envie de me répéter. Oh. Allô? Oh, bébé. Comment tu vas? Oh mon Dieu. Oh oui, j'ai vu, ne t'en fais pas. Ma chérie, tu auras quelque chose demain, ok? Très tôt le matin. Très tôt le matin, oui. Ok, c'est compris. Je vais enregistrer ton numéro dès qu'on finit cette conversation. Ok? Je t'aime. Maman, cet homme Ojimba, il me fait penser à quelqu'un de très vicieux. Il m'a l'air louche. À quel point tu lui fais confiance? Parce que, je ne sais pas, mon esprit ne l'accepte pas. Ne dis pas ça, Sophia. Cet homme, Ojimba, prends-le comme ton père. Parce que c'est cet homme qui fera en sorte que tout se passe bien pour nous. Je lui fais confiance à 100%. Ok. Après ce que tu as dit, je ne peux que lui faire confiance. Je voulais juste savoir à quel point tu le portes dans ton cœur afin que je fasse pareil. Pas de problème. Je l'ai placé dans l'endroit le plus doux de mon cœur. Mmh. Oui. Maman. C'est une bonne personne. Il va changer notre vie en bien. Il va juste aider, pas changer notre vie. Otiwe, il le fera. J'ai compris ce que tu viens de dire. Je voulais juste savoir ta position. Ma position est bonne. C'est le seul qui s'est soucié de nous pendant qu'on traversait tous ces moments difficiles.
Et je suis ravie qu'il soit en vie pour nous aider à conquérir le cœur du roi. Ne t'inquiète pas, maman. On va le rendre fier. Oh. Mais je ne pense pas que cet homme soit une bonne personne. Je ne le pense pas. Pourquoi? Il ressemble à un fourbe. Pourquoi tu dis une telle chose? Hein? Chaque mauvaise personne a quelqu'un avec qui elle est bonne. Mmh. Et il est bon avec nous. Et c'est tout ce qui compte. Hmm? Laisse-moi ce jeu, je vais le jouer comme il faut. C'est Akurumazo ou quoi? Tu sais que je suis une bonne joueuse. Akura Maradona mou. Bayemba, Bayemba, Bayemba. Oh. Maradona? Oui! Akwa, kwa, ko, zona, zona. Ah. Laisse-moi. Ah. Mon prince, soyez le bienvenu dans notre maison. S'il vous plaît, venez vous asseoir. Non, je ne suis pas venu ici pour m'asseoir. Je suis juste venu pour vous voir. Madame Monica est votre fille. En respect pour votre visite hier au palais. Mon père m'a fait part de ce qu'il en découle. Oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Ça, c'est merveilleux. Et je suis venu vous dire que peu importe ce que vous avez prévu de faire avec lui, cela ne marchera pas. Quoi? Vous m'avez bien entendu. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mon prince. Je n'ai pas bien entendu. Je ne parlais pas avec de l'eau dans la bouche lorsque je l'ai dit. Vous avez vécu loin de ce village pendant un long moment, alors vous ignorez certainement quel genre de personne je suis. Je n'ai pas pour habitude de plaisanter avec ce qui sort de ma bouche, donc peu importe l'accord, l'arrangement, le complot ou événement planifié par vous concernant mon père... Je puis vous dire que ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hmm? Mon roi. Où est le prince? Il est sorti, mon roi. Où est-il allé? Il n'a rien dit. Il n'a même pas mangé son repas, mon roi. Demande aux gardes de préparer ce dont j'ai besoin pour la réunion avec les anciens. C'est compris, mon roi. Où est-ce que ce garçon est encore passé? Je lui ai dit que nous aurions une réunion très importante ce matin. Donc, où est-il passé? Qu'est-ce que c'est? Prenez ça et restez loin. Oh, du coup, peu importe ton nom. Yumanimana Pamkacha. Si tu veux séduire une femme, il existe une meilleure manière de le faire. Et puisque ce n'est pas ton père qui t'a demandé de me donner cet argent, vu que c'est lui le seul à avoir le droit de le faire, plus qu'il ne l'a pas fait, je n'ai pas besoin de ton argent. Vous ne prenez pas l'argent? Non, je n'en ai pas besoin. Agoneya Agodago. J'ai l'air d'avoir faim. D'accord. Je ne vous ferai plus cette offre. Mais dans votre propre intérêt, je vous conseille de prendre cet argent et de rester loin du palais. Comme si on t'avait supplié. Garde ça, utilisez même mieux. Je n'aime pas ce que vous faites. Prince, je n'aime pas ce que vous êtes en train de faire. Je vous respecte encore. Mais visiblement, vous voulez que je perde le respect que j'ai encore pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui suis allée chercher votre père. J'y étais de plein gré. Et votre père est venu me chercher. Il me désire. C'est quoi tout ça? Je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. Vous vous adressez au prince Ojoko, l'héritier au trône de ce royaume. Je devrais avoir peur? Je suis sûr que vous n'aimeriez pas être banni une seconde fois. Je n'irai plus en exil parce que je suis dans la maison de mon mari. Sur la terre de mon père. Je n'irai nulle part. Monica, que tu es en face de toi maintenant. Non, tu te trompes. Monica n'ira plus en exil. Ta monimana monife. Quand j'étais encore naïve. Mais pour qui se prend-il?
Je ne suis pas contente du tout, mais pour qui se prend-il? Il ne me connaît pas, mais c'est quoi ces conneries? Il pense qu'il a le droit de venir ici et venir nous chasser de nos propres terres en essayant de nous corrompre. Corrompre, corrompre, corrompre. Ça ne fait du mal à personne, il voulait juste payer. Je sais exactement quoi faire. Je sais exactement quoi faire. Malchance, on n'ira nulle part. Tu vois le roi, il ne m'échappera pas. Il meurt ici, n'importe quoi. Qu'il meure ici? Quoi? Mon roi, je t'ai bien entendu? Oui, bien sûr. Soyez content pour moi. Ma quête d'une épouse est terminée. Igwe, cette fille n'est pas celle qu'il vous faut. Oh non. Pourquoi est-ce une mauvaise idée? Je me le demande. Igwe, je me le demande. Allez! Attends, mais qu'est-ce que vous lui voulez? Qu'attendez-vous de notre roi? Le roi est un homme comme nous, avec du sang qui coule dans ses veines. Hein? Mais dites-moi, pourquoi ne laissez-vous pas écouter son cœur? Qu'est-ce qui ne va pas avec la fille de mon écart? N'est-elle pas une femme? N'est-elle pas de ce royaume? Écoutez, je ne veux plus entendre aucun d'entre vous. Aucun d'entre vous s'opposer à toutes les décisions que j'ai prises. Je vous ai appelé ici pour tabler sur la question des préparatifs concernant le mariage et de fixer une date. Fixer une date pour la fille de Monica que je vais épouser. Exactement. Igwe, vous avez bien parlé et votre décision est finale. Hein? Et vous avez mon soutien. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Il a pris sa décision et c'est tout. Allez! Quoi? Non. Bébé, tu ne peux pas permettre que ça arrive. Ça ne peut pas arriver. Qu'est-ce qui arrive au roi? Aucune idée. Je suis arrivé là-bas et je leur ai donné un avertissement ferme. Très bien. Je leur ai même fait une offre et ils l'ont rejetée. Oh, vraiment? Oui. Donc elles auraient accepté si ça venait du roi? Exactement. Il fallait voir ce que cette fille a porté hier pour venir au palais. Obulguda Akuna. Il fallait voir ce que cette fille a porté pour venir au palais même aujourd'hui. Hé hey. Est-ce une femme qui se prépare à être la reine de ce royaume? Dieu nous en garde. Mince. Bébé, le roi doit savoir qui est réellement cette fille. Le genre de vie qu'elle menait en ville. Mon amour, qui ne connaît pas cette fille? Qui ne la connaît pas? S'il te plaît, mon amour. Est-ce que tu peux venir avec moi pour lui expliquer tout ça? Chérie, tu es sûr que le roi ne sera pas fâché contre oui, moi? Oui, j'en suis persuadé. Il a besoin que quelqu'un lui ouvre les yeux sur celle qu'il s'apprête à épouser. Tu ne comprends pas? Je ne sais même pas pourquoi il refuse d'épouser Agnès l'enseignante. Dans ce cas, laisse-moi aller me changer. Je mets autre chose. Ensuite, on y va. S'il te plaît, dépêche-toi, ok? Donne-moi juste une minute. Merci. Mes anciens, qu'est-ce qu'on fait? Comment allons-nous gérer ce problème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Nous devons aller nous entretenir avec le roi. Hein? Lui raconter le genre de vie que Monica et ses filles menaient en ville. Mes anciens, parler ne va pas résoudre ce problème. Si nous permettons que la fille de Monica devienne la reine de ce village, nous sommes dans le pétrin. Oui, Monica en finira avec nous. Et vous savez bien de quoi je parle. Elle va chercher tous les moyens d'en finir avec nous pour l'avoir bannie de ce village. Ne vous inquiétez pas. Nous devons aller voir le prince. Maintenant, lui demander sa position, et ensuite, on lui donnera ton autre soutien. Ono, je suis d'accord avec toi. Utilise ta fille pour qu'elle parle au prince.
Sans problème. Je vais le faire. Ouais. Allons-y. D'accord. Mon roi, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ton fils. Il est venu dans notre maison et sans invitation. Il a insulté ma mère. Il m'a insulté moi. Sans aucune raison, mon roi. Nous ne lui avons absolument rien fait. Oui, mon roi. Ma mère n'a pas arrêté de pleurer. Et moi aussi, j'ai pleuré, mon roi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon roi. Je t'aime aussi. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que son fils n'est pas au palais en ce moment. Que dès son retour, il va le remettre à sa place. À bien cause fait. De ce qu'il a fait. Bien fait. Et la meilleure partie, c'est que il m'a demandé de me faire belle. Car son chauffeur va venir me prendre ici pour me déposer au palais. Et ce garçon-là, s'il est sage, qu'il ne m'essaye pas. Il ne sait pas qu'on m'appelle Monica. C'est moi, Monico. Maman, calme-toi. J'ai les choses en main. Je vais le traiter moi-même, tu vois. Etiegarum, allez, Etiegarum. Personne ne pourra nous faire partir. Ouetago. Alors, ce que tu dois faire maintenant, c'est d'aller à l'intérieur et de t'habiller sexy. Il faut d'amarrer, Gao. Ça doit être une chanteuse de voix. Hein? Concentre-toi, si c'est parti, maman. Celle-ci et celle-là. Je te salue, père. Igwe, je vous salue, mon roi. Otuko, as-tu déjà été témoin de la colère de ton père? J'ai peur de ne pas comprendre ce que tu veux dire, père. Qu'en es-tu la colère d'un roi? Je veux dire, depuis que tu es né, as-tu déjà vu ton père très, très en colère? Père, je ne sais vraiment pas quoi répondre à cette question. Mais Flora, ici présente, a quelque chose de très important à te dire. Mon roi, je suis désolée si vous n'êtes pas de bonne humeur pour entendre ce que j'ai à dire. C'est à propos de ce que le prince m'a dit. Alors, j'ai décidé de venir vous parler. Mon roi, il y a quelque chose que vous devriez savoir à propos de Sophia. La ferme! La ferme! La ferme avant que je ne prononce une sentence contre toi. Père, mais tu ne sais même pas ce qu'elle a à te dire. Dégage! Dégage! Père! Dégage! Père! Mais qu'est-ce qui te prend enfin? Bébé, attends! Bébé, attends, s'il te plaît! Je t'en prie, attends! S'il te plaît, ne pars pas! Je dois partir! Je sais que mon père est encore en colère contre toi, mais ça c'est encore chez moi! Tu dois m'attendre, ok? Bébé... Je n'ai jamais vu ton père le roi aussi en colère. Je ne veux pas plus de problèmes. Chérie, on doit arrêter avec ce débat maintenant. N'aborde plus cette histoire avec lui, je t'en supplie. Non, jamais. Je ne peux pas croiser les bras et voir mon père commettre une erreur qui risque de m'affecter dans l'avenir. Non, je vais m'y opposer jusqu'à mon dernier souffle. Tu me défies ? Maintenant, écoute. Je t'interdis de remettre encore une fois tes pieds dans ce palais. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma future belle-fille. Garde! Oui, votre majesté. Jetez-moi cette chose hors de mon palais. Si jamais l'un de vous ose s'approcher de moi, je vais l'enterrer vivant.
Monica, ce que tu es en train de me dire n'est pas vrai, n'est-ce pas? Onjimba, tu n'as pas bien entendu. Cet idiot de prince dit qu'il ne veut même pas sentir ma fille et moi près de son père. Selon lui, son père n'a rien à faire avec ma fille. Comme si c'est elle qui le désirait. Ce n'est pas son père, il est déjà âgé et il mérite de jouir de ses derniers jours. On dirait même qu'il a admis son père. Idiot, n'importe quoi. Le prince raconte des sottises. De vraies conneries. Allez, Monica, j'espère que tu ne donneras pas raison à cet imbécile. Moi? Je suis folle? Je suis folle? On dirait que tu ne me connais pas. Tu sais très bien qu'aucune menace ne peut me faire fléchir. Il est même arrivé jusqu'à chez nous pour nous proposer de l'argent. Je l'ai regardé comme ça avec son argent et je lui ai demandé d'aller en enfer avec cet argent. En ce qui me concerne, la vérité est que ma fille est faite pour être reine. Elle fera partie de la royauté. Écoute, Monica, ne laisse personne te prendre le sucre que Dieu a déjà mis dans ta bouche. Oublie ça, tu veux bien, Onjimba? Tu oublies mon nom? Moni pour Monica. Si tu arrives à ce pont, tu vas le traverser. Que tu veuilles voler, que tu veuilles sauter, que tu veuilles ramper, tout ce que je sais, c'est que tu dois traverser. Hein? Aussi longtemps que le roi a l'œil sur ma fille. Hé hé hé! Je t'assure, elle deviendra sa femme. Et évidemment, elle deviendra la reine de ce royaume. Le fait que j'ai été absent n'a aucune importance. Le prince devrait aller en file et se renseigner sur moi. Je suis une tuile à cuire. Bien, voilà qui est bien dit. Écoute, Monica, tu n'as pas à te déranger. D'accord? Sophia est déjà là. Elle est déjà dans ce palais. Qu'ils le veulent ou pas. Wham! Père, que veux-tu dire? Donc, en tant que ton fils, je n'ai pas le droit de te conseiller ou de te corriger. Tu ne peux pas m'obliger à suivre tes conseils. Maintenant, ne fais pas que je me fâche contre toi, ok? Et pour cette fille que tu veux épouser, elle ne sera jamais ta femme. De quoi est-ce que tu parles? Je ne te laisserai pas faire. Oh, alors prépare-toi à perdre ta chance d'hériter au trône. Père, tu peux me dire ce qui t'arrive? Pourquoi tu te comportes de façon aussi étrange? Les Etche Ede qui ne veulent pas que j'épouse une jeune fille de mon choix. Ils sont tous des petites filles dans ce village qu'ils détournent et avec lesquelles ils forniquent. Pourquoi pas moi? Parce que tu es le roi. Tu es de sang royal, tu diriges ce royaume. Tu ne peux pas vivre ta vie en fonction de leur dictat. C'est à toi de leur montrer l'exemple. De quoi est-ce que tu parles, père? Tu as une énorme responsabilité. Aussi longtemps que je vivrai dans ce palais, je ne te laisserai pas faire une telle erreur. Pourquoi tu refuses de comprendre les raisons pour lesquelles... Bonjour, mon roi. Ma chérie. Non. Oh. Viens, assieds-toi. Merci beaucoup. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Oh. Na. Kepon. Mon roi. Oui? Tu m'as manqué. Ah bon? Oui. Sûr? C'est pour ça que je suis venue te voir. J'aime ça. Mon roi, je vais perdre le contrôle. Vraiment? Bientôt. Très bientôt. Mais tu peux peut-être m'aider. Qu'est-ce que tu Bien penses? Bien sûr. Puis-je prendre des pilules? Oh, tu crois vraiment que ça pourra m'aider, hein? Oh mon roi. Ça ira. Quoi? Pourquoi cet homme se comporte ainsi? Papa, je ne sais pas. Hein? Papa, tu dois faire quelque chose. Je ne veux pas qu'il mette un terme à ma relation avec le prince. Bah non. Bah, il ne peut pas faire ça. Il peut le faire. Hey. Il est le roi. Bien, dis-moi. Va m'appeler Omé. Ok, papa. Allez, dépêche-toi. Et papa aussi. Hey. Je ne veux pas entendre son nom. Ose, son, bon, soyez vraiment, mais... Hé, papa, écoute. Le roi ne doit pas épouser Sophia.
Cette fille est une débauchée. Une prostituée qui a réussi à se faire un nom en ville. Oui, elle n'est en rien la reine idéale pour ce village. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais bien leur montrer que je suis le nouveau de cette communauté. Et que je suis là avant eux. Papa, il y a autre chose. Écoute, le prince est dos au mur en ce moment et... S'il te plaît, je voudrais que tu le soutiennes dans cette histoire. Appelle-le tout de suite afin que nous puissions parler. Dis-lui de venir maintenant. D'accord, je vais chercher mon téléphone. Vas-y, dépêche-toi, je t'en prie. Usabodima. Ayane. Oui, maman, je suis super excitée. Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, je ne sais pas trop quoi dire, mais j'ai finalement accepté de le faire pour elle. Maman, calme-toi. Détends-toi. Je vais tout te raconter. Je te donnerai tous les détails plus tard. Je te rappellerai, ok? Très bien, bye. Alors, ma chérie, t'es toujours inquiète? Dis-moi comment ne devrais-je pas l'être. Très bien. Tu n'as plus à t'inquiéter parce que j'accepte de le faire pour toi. Mais tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de parler à ton homme. Oh, super, lui aussi est déjà d'accord. Waouh. Ouais. Je veux dire, au moins maintenant tu peux sourire, n'est-ce pas? Merci, okay. Merci vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. C'est bon. Oh, merci. Ce n'est rien, ma chérie. Après tout, tu m'as donné un toit et je te suis très reconnaissante. Alors, quand allons-nous commencer? Cette nuit, bien sûr. Voyons, cette nuit. Ok. Mais, mon quoi? Mari est un peu timide. Eh bien, ça me travaille, ma chérie. Juste, laisse-moi m'en occuper. Ce n'est même pas un problème. Je vais m'en occuper. S'il te plaît, prends bien soin de lui, ok? Je compte sur toi. Considère que c'est fait. Allez. Oh mon Dieu, je suis tellement excitée. Nous devons faire absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher que Monica et sa fille ne rentrent définitivement au palais. Je vous en prie, chers anciens. Je n'avais jamais vu mon père réagir comme il a réagi aujourd'hui. Laissez-nous faire, mon prince. Nous allons montrer à Monica qu'elle n'est qu'une femme. Elle n'est qu'une femme. Je vais également lui faire savoir que je suis le Norwood de cette communauté. Le roi ne peut absolument rien faire sans moi. Ben oui. Je vous en prie. J'ai besoin de votre aide. Mon père a interdit à ma fiancée de remettre les pieds au palais. Pouvez-vous l'imaginer? Calmez-vous, mon prince. Je vais vous donner un conseil. Très tôt demain matin, conduisez votre fiancée au roi et demandez-lui pardon. Ensuite, faites comme si tout allait bien. Comportez-vous bien. Faites dissiper tous les soupçons de son esprit. Laissez-nous faire le reste. On s'occupera de ces femmes en un claquement de doigts. Oh mais, écoute, Aguya, c'est quoi le plan? Je sais quoi faire. Bébé, je sais que nous nous sommes entendus pour cette nuit, mais il n'y a plus beaucoup de temps. S'il te plaît, faisons-le maintenant. Je t'en prie, fais-le pour nous. De plus, l'enfant sera toujours le tien. Regarde, et même si je le fais, qu'est-ce qui te dit qu'elle s'en tiendra au plan, hein? Angel n'est pas une fille malhonnête. Je lui fais tellement confiance. Je t'en prie, bébé. S'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît, bébé. C'est d'accord. Je suis là. Tu es prêt? Il est prêt. Il est prêt. Vous pouvez y aller. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On y va. Allez.
Attends, non, laisse-moi te demander quelque chose. Aïe! Toi, tu es toujours comme ça, toujours aussi pressé. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu ne sais même pas comment flatter une belle femme. Ginamba Saramo. Hein? Monica, qu'est-ce que ça veut dire tout Attends, non, je voulais te dire quelque chose. Tu sais, je pense que... on peut faire quelque chose pour diminuer ton ventre. Tu as quel problème avec mon ventre? Si je m'occupe de toi, ce ventre va diminuer. Monica. Pas, tu vas aimer. Monica. Ichie, pourquoi est-ce que tu te comportes comme un bébé? Tu es un bébé. Tu es un enfant. Monica. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Monica. Je ne comprends je pas. Je sais que je te plais, oh. Je te plais. Regarde comment tu appuies mes bras. Tu es. Monique, Monique. Monique, Monique. Je sais que je te plais, mais tu fais semblant. Tu sais. Tu sais quoi? Que je veux ce que tu veux. Pourquoi ne pas aller à la maison? Déjà. Hein? Zozaroraro. Monica, je ne comprends. Pourquoi tu parles comme ça? Tu veux ce que je veux? Qu'est-ce que tu penses que je veux? Ne fais plus un geste. Donc, c'est ça que tu fais. Toi, espèce d'idiot, tu touches ma mère dans les bois. Non, je ne l'ai pas. Ferme ta bouche, je t'ai pris. Monica, parle. Je t'ai pris la main dans le sac et j'ai tout entendu. Oh, donc tu voulais violer ma mère dans la brousse? Moi? Non, ce n'est rien de tout ça. Ferme-la. Ferme ta bouche. Tu n'es qu'un idiot et un menteur. Je t'ai enregistré dans mon téléphone. Tu vois, le roi, ta famille tout entière et tout le village saura. Violeur. Monica. Maman, pourquoi tu n'as pas crié? Monica, nous n'avons rien fait. Parle. Je ne veux pas de problème. Violeur. Monica, dis-lui la vérité. Okwagi. Quoi fa dit mangwam? Itago, Okwagi. Allons-y. Monica, parle à ta. Tu es foutu, oh. Je n'ai rien fait avec ta mère, non. Quelle merde. Dans quoi je me suis retrouvé? Il faut que je m'en aille. Je dois quitter cet endroit. Mon roi, je suis désolée. Je ne voulais pas dire des choses méchantes à propos de Sophia. Je n'avais pas non plus l'intention de vous dire quoi faire. Je me suis simplement sentie concernée. Pardonnez-moi, mon roi. S'il te plaît, père. Nous n'avions pas l'intention de t'offenser. Nous sommes vraiment désolés de t'avoir mis dans cette colère. Nous ne l'avons pas fait avec une mauvaise intention, tu sais. Nous étions juste inquiets du fait qu'elle a vécu en ville et pourrait ne pas nous connaître, nous et nos coutumes. Oui, mon roi. Ce n'était que ça. Rien de plus. Lève-toi. Merci, mon roi. Assieds-toi. Vous deux savez bien qu'elle est une femme. Et aucune femme n'est sainte. Pour ce qui est de nos traditions, nos coutumes, je lui apprendrai. Nous tous, nous lui apprendrons. Ce que vous devriez faire, c'est de savoir quelles sont les choses qui me rendent heureux. Et permettez-moi de faire ces choses, avant que je ne rejoigne mes ancêtres. J'ai le droit de faire... mon choix. Permettre que les autres fassent ce choix. À ma place veut dire que ce choix n'est plus le mien. Ok? D'accord. Va là-bas. Et demande aux servantes de préparer la table. D'accord, votre majesté. Merci. De rien. De rien. Allez, de rien. Ne t'inquiète pas, maman. C'est quand on aura fini avec eux qu'ils vont vraiment comprendre que nous avons vécu en ville. Bien sûr. Dala. Avec ça, je vais voir comment il aura encore le courage de se dresser contre le roi. Crois-tu money, money. Et hey. Jay, bon après-midi. Sophia, comment tu vas? Je vais bien, merci. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Très bien. Qui est-elle?
Bon après-midi, Ma. Bonjour. Je dois vous voir toutes les deux, d'accord? Oui. Ma chérie, va t'asseoir, d'accord? Voilà. Elle s'appelle Obi. Ok. C'est la fille dont je vous ai parlé. D'accord. Et qui la cache depuis longtemps à sa famille. Hey. Oui, elle est prête à coopérer avec nous. Hey. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous suggères de faire maintenant? Très bien. Elle dit que Eke l'a enceinte. Vous savez, Eke n'a pas de fils. Oui. Elle a toujours cherché, peu importe, les moyens d'avoir un enfant garçon. Malheureusement pour lui et heureusement pour nous. Il a enceinte et a arrêté de lui donner de l'argent. Oui, okay. Donc, tout ce que nous lui demanderons de faire, elle le fera. Très bien. Ondimba, merci. Oui. Vraiment, vraiment, merci. Nous avons réussi par nos propres moyens à mettre Omé de notre côté. Oui. Pas de problème. Nous allons utiliser cette fille pour mettre Eke de notre côté. Exactement. Ce n'est pas ma faute, non? Alors, j'espère que vous avez mis de l'argent de côté. Donnez de l'argent. Grâce à cet argent, tout ce que vous lui demanderez de faire, elle fera. Ça, ce n'est pas un problème. Ouais. J'étais avec le roi hier nuit. D'accord. Et il m'a donné une forte somme d'argent. Ouais. J'arrive. Vas-y. Money. Je t'ai dit. Écoute, tu sais, ton cerveau est un véritable ordinateur. Et le mien, c'est Microsoft. Oh. Donc, quand tu combines Microsoft c'est avec un ordinateur... C'est comme ça que ça agit. Allez, top là. Alors, chérie, c'est quoi la prochaine étape? Je vais voir comment est-ce que je peux le piéger pour pouvoir les jeter enfin hors de ce village. Ok. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Le roi ne doit rien savoir. Oui, j'ai discuté avec les anciens, Omé et Onuo. Ils m'ont dit qu'ils me diraient comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Alors, dès que je te dépose maintenant, je vais directement les voir pour qu'on trouve une solution. Très bien. Bébé, j'ai besoin que tu sois très prudent, s'il te plaît. Ma mère m'a également dit qu'elles avaient un plan concernant Monica. Je ne sais pas ce qu'elles vont faire, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Ok, c'est bien. Allons-y. Ok. Obi, pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, pourquoi devrais-je être là à ton avis? Tu m'as mise enceinte et tu m'as abandonnée. Moi, j'ai besoin d'argent. Hey! Écoute, je t'ai dit que je n'avais pas d'argent. Les choses sont un peu dures pour moi. Rentre à la maison, hein? Je te verrai plus tard. Oh non, j'ai besoin d'argent. Si tu ne m'en donnes pas, je vais arriver chez toi. Ne viens pas, hein? Écoute, j'ai promis que j'allais prendre soin de toi. Si c'est un garçon, je vais t'envoyer en ville. Oui, je te le promets. Pourquoi ne me donnes-tu pas donc un calais avant de partir? Ne bougez plus, je viens de t'attraper en pleine action. Tu ne peux pas le nier. Plus un geste. Oh non, Warana. J'ai tout enregistré dans mon téléphone. Bagam. Donc, c'est ce que tu fais? Non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? En ce qui me concerne, parce que j'étais là et j'ai entendu toutes les choses que tu lui as dites. Donc, tu as enceinté cette petite fille et tu lui dis de ne rien dire à personne, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, tu es fini. Et Unyanyamgo, toi là, tu es fini. Ta famille. En fait, le village tout entier sera au courant de ça. Le roi, tout le monde. Tu es fini. Je t'en prie, Sophia. Viens, pourquoi on puisse en parler? Sophia, viens, pourquoi on puisse en parler? Onion, Warana. Tcha. Ma fille est foutue. Hey. Obi, tu vois ce que je t'avais dit? Il y aura des problèmes. Tu me demandes si quelque chose s'est passé, mais je suis foutue. Tout ça, c'est de ta faute. Je t'ai demandé de me donner de l'argent, mais t'as refusé. Alors, qu'est-ce ça va vraiment causer des problèmes? Je suis foutue. Hein?
Monica, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps à venir nous répondre? Et qui êtes-vous? Nous représentons les femmes de ce village. Mm-hmm. Nous avons entendu dire que tu étais de retour. Donc, nous sommes ici pour te dire que tu dois subir les rites traditionnels, les rites réservés aux femmes. En tant que quelqu'un qui a été banni, tu n'as aucun droit de t'associer à aucune femme de ce village, à moins que tu ne termines les rites que nous avons inscrits sur cette liste. Ces choses, tout ça. Nemo, maman. Bienvenue ma fille. Viens, viens voir. Maman, qui sont ces femmes? Qu'est-ce qu'elles veulent? Regarde ce qu'elles apportent. Elles disent que je dois subir des rites traditionnels parce que j'ai été bannie pour que je puisse m'identifier aux femmes de ce village. C'est quoi ces bêtises? C'est quoi ce grand n'importe quoi? Hein? Regardez-moi leur visage. Oh! Hein? Maman Flora. Même toi? Arrête-toi là. Comment ça, même moi? Je n'ai même pas envie d'ouvrir ton dossier. Je suis juste venue vous donner des informations. Unewagne, partons d'ici. On verra bien qui joue mieux ce jeu. Enfoigno. Soit toi, soit moi. Ah, ah. Regardez-les. Namo Kolenji Bagua. Elle savait qu'elle partirait très vite ici. Allons à l'intérieur. Mais, va la rencontrer, d'accord? Va la voir. Va la voir et écoute ses conditions. Hey. Oui, je suis sûr que tout va bien se passer. Oh, Chemba. Oh, Chemba. Oh, Dieu merci. Dieu merci que je te rencontre ici. Hey! Oh, Djemba. Hey! Eke! Oh, Djemba. Dieu merci que je te rencontre ici. Oh, mais pourquoi tout le monde me remercie? Remercie Dieu. Hein? Me pas juste passer à côté ou suis son assistant? Que se passe-t-il encore? Que se passe-t-il? Oh, Djemba. Abodja Gono Onu. Voilà pourquoi j'ai besoin de ton aide. Tu es la seule personne qui peut m'aider à parler à Monica. Oh! Aide-moi. Oh, encore, Monica. Oh. Très bien, attends. Eke. Toi aussi, tu t'es fait prendre en train de faire quelque chose de louche, hein? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, gars. Allez voir Monica. Allô? Quoi? C'est pas vrai. Lokar est en vie. Hey! Hey! Ok, pas de problème. En tout cas, il n'était pas résistant, c'est de ma faute? Pourquoi tu ne veux pas venir ici? Hein? Pas de soucis si tu ne veux pas venir. Hein? D'accord. Comment tu vas? Ok. Bye bye. C'était qui? Logan n'est pas mort. C'est Angel qui a appelé. Oh, Dieu merci, il n'est pas mort. Je te dis. Money, money, Sophia. Onjimba, Onjimba. Devinez quoi? Qu'est-ce que c'est? Ils sont tombés dans le piège. Hein? Oui. Tu les as vus? Pardon? Si je les ai vus, ils sont venus supplier. Ils m'ont demandé de vous supplier pour leur pardonner. En fait, c'est nous qui avons le pouvoir dans ce village. Hein? Oui. Donc finalement, les premiers deviennent les derniers. Mmh. Et les derniers deviennent les premiers. Donc, nous ne sommes plus la queue, mais la tête. Bien exactement. Maman, détends-toi. Ils n'ont même encore rien vu. Ça, ce n'est juste que le bout de l'iceberg. La vraie histoire est encore cachée. Attends que je devienne la reine de cette vaste terre. Hé, hé, on voit un Facebook. Elle s'est défanée un kilé. Pardon?
Tu as dit attends? Oui. Mais tu es déjà la reine. En quoi? Oh. Ah, ah. En fait, aucun d'entre eux ne peut plus renverser la tendance. Désormais, le prince est seul dans son camp. Dans son camp, le contrôle. Oui. Koyaya. Money, money, Sophia. Je suis tellement contente. Et tu prends place. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Money, money. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Je vais te prendre quelque chose à boire. Oui, très bien. Il n'y a rien d'autre à faire. Tiens, le plan a marché. On leur a montré qu'on ne plaisante pas. Maintenant, elles auront peur. Maman, ça ne change rien du tout. Elles vont continuer ce qu'elles sont en train de faire. Le roi va les aider. Ça, j'en suis sûre. Exactement. Tu as raison, Dima. Elles doivent quitter ce village. C'est la seule solution. Naï. Papa, bonne arrivée. S'il te plaît, viens t'asseoir. Y a-t-il à manger dans cette maison? Oui, papa. Dima, va chercher le repas de papa. Je vais t'aider. Naï, on a fini avec Monica ce matin. Oriako, ne cite plus jamais. N'aborde même pas du tout ce sujet. Je ne veux rien entendre concernant ce sujet. Je ne sais pas du tout ce que Monica vous a fait. Laissez-la tranquille. Hein? Papa? Okwangin et Kwifa, c'est toi qui dis ça? Je pense que je ferais mieux d'aller manger à l'intérieur. Ne t'occupe pas de lui. S'il te plaît, Onohu, tu ne peux pas être au paradis et permettre que ton peuple souffre. S'il te plaît, tiens-moi par la main. Laisse-moi aussi jouir de cet un privilège comme toi. Je te promets de rester loyal. J'ai accepté de te rencontrer parce que j'ai remarqué que tu as commencé à changer. D'accord? Tu as tenu bon. J'aimerais t'aider. J'aimerais te prendre sous mon aile. Mais à une seule condition. Quelle condition, Honoru? À condition que tu arrêtes d'être un wiki. Tu me le promets? Je promets d'être là, à tes côtés. Peu importe l'heure à laquelle tu auras besoin de moi, je serai là. En espérant que j'aurai mes dividendes, bien sûr. En tout cas, à cause des changements, je vais... Eh bien, écoute, c'est une somme dérisoire que je voulais utiliser pour faire un travail, mais bon, tu peux le prendre. Oui, prends-le. Oh no. Ce n'est rien comparé à ce que j'ai d'habitude. Je te crois. Pas besoin de compter, je sais déjà où je m'engage. Pourquoi les pauvres comptent l'argent? Vas-y, compte. Mais je suis pas si tu pauvre. Tu peux partir. Oui. D'accord. J'espère que tu as changé. Merci, Onohu. Je t'en prie. Salut ta famille de ma part, d'accord? J'espère que personne n'était là pour voir que tu m'as donné de l'argent. Tu as toujours peur? C'est parce que cet argent est beaucoup. Va. Oh non! Très bien. Mais c'est ça ta famille. Prends cet argent. Je ne voudrais plus que tu t'approches de cet homme jusqu'à ce que je devienne la femme du roi. D'accord, Tantine, merci. Pas de quoi, tu peux y aller maintenant. Merci, Ma. Merci, Tantine. De rien. Prends soin de toi. Tu peux imaginer ça? Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Un homme qui se cherche tout seul les problèmes dans ce village. Alors? Cherchez les petites filles. Un homme très stupide. Et je te dis, maman, le roi doit être mis au courant. Bien sûr. Je vais lui dire. S'il te plaît, fais-le. Mais il en reste encore un. Nous avons déjà la majorité de notre côté. Hmm? Nous pouvons juste attendre leur réunion demain matin. Attendons ce qui se passera. On verra ce qu'il en est. T'inquiète pas. Pas de problème. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ok. Omer.
Vous deux aussi? Irna Bonmafa, pourquoi est-ce que tu cites mon nom? Est-ce que tu peux empêcher le roi de faire ce qu'il a envie de faire? Je ne comprends pas. Ichide, vous voulez dire que vous êtes toujours contre mon mariage? Igwe, ces deux hommes ont fait une réunion avec votre fils afin de trouver un plan pour pouvoir empêcher ce mariage. Ils sont ici en train de dire le contraire. Je vous salue, chers anciens. Bonjour, mon fils. Viens. Bonjour. Viens. Viens. Assieds-toi. Ancien, je veux que vous partiez payer sa dot demain soir. Nous le ferons pour vous. Puisque le prince est là, il peut vous représenter et recevoir le vœu à votre nom. Tu l'as entendu, mon fils. Tu vas aller suivre pour payer la dot de Sophia demain soir. Oh non. Mon prince. Quelle est ta position là-dessus? Vous savez, mon prince, écoutez, mes mains sont liées. Nous ne pouvons pas empêcher le roi de faire tout ce qu'il a envie de faire. Donc, c'est ta position maintenant? Et toi, Itiomé? Qu'est-ce que tu en penses? Mon prince, tu as entendu Ono? Il a tout dit. Je le suis. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il pour l'amour du ciel? Je demande, que se passe-t-il ici? En Guinée! Flora, Dieu merci, je suis tombée sur toi aujourd'hui. Mais c'est quoi ton problème? Flora, reviens ici. Je te parle et tu oses me tourner le dos. Sophia, tu es malade? C'est toi qui es vraiment folle. Tu es très très stupide. Tu comprends? Je te parle et tu veux me tourner le dos comment? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi t'acharnes-tu à traîner mon nom dans la boue partout où tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Ogonou, tu ne parles plus? Tu faisais la fière avec mon nom depuis. Mais en face de moi, tu ne peux plus parler? Vas-y, parle. Je vais te montrer pourquoi je m'appelle Sophia Wona Kwako, la fille de la ville. Regardez-moi cette villageoise insignifiante. Sophia, tu m'épates. Attends, c'est parce que tu es venue de la ville et que tu m'as trouvée au village? C'est ce qui fait de moi une villageoise? Parce que tu es une villageoise. Si tu n'es pas une villageoise, alors dis-moi pourquoi tu n'as jamais rien soupçonné des secrets que cache ton père? Oui, en es-tu capable? Non, bien sûr que tu ne l'es pas. Mais une fois que j'ai mis mon pied dans ce village, j'ai pu dépoussiérer tous les secrets enfouis. Et tu dis que tu n'es pas une villageoise? Qu'est-ce que tu sais? Laisse-moi te prévenir. Va dire à la chose inutile qui te sert de mère de rester dans son périmètre pendant qu'on reste dans le nôtre. Nous n'avons rien en commun. Qu'elle se mêle seulement de ce qui la regarde et qu'elle laisse ma mère. Qu'elle laisse ma mère tranquille. Est-ce que tu comprends ça? Hélène Guada, est-ce que tu as compris? Tu as terminé? Tu peux partir. Tu es stupide. Défends-toi, j'ai envie de me battre. Je suis prête pour toi. Je vais te montrer que je suis vraiment une folle. Je suis prête. En effet, tu es folle. Oui, je suis folle. Parce que tu agis comme une folle. Je suis folle. Tu veux parler? Mais vas-y, parle. Dis ce qui est au fond de toi. Stupide chose. Essaie-moi encore. Un secret ?